Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission du CRAPS, aujourd'hui consacrée à la protection sociale pour les travailleurs en mobilité internationale. Cette émission, qui durera 2 heures, sera co-animée par Vincent De Grauw et moi-même. Avis aux internautes, n'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions sur les réseaux sociaux dans les commentaires. Nous en publierons certaines à l'écran. Alors voici le programme. En introduction, et pour camper le décor de la protection sociale des travailleurs à l'international, Clara Van Panuys nous exposera l'étendue de la réglementation issue de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Exposé qui introduit le thème de la première table ronde animée par Martine Derdevé, intitulée Existe-t-il un cadre réglementaire à la protection sociale internationale? À l'issue de cette première table ronde, nous aurons le plaisir d'écouter le témoignage de Patricia Dos Santos, directeur générale de la Mutuelle des Affaires étrangères et européennes, MA2E. Alors, après avoir défini le cadre légal de la mobilité internationale en matière de protection sociale, nous nous interrogerons sur l'aspect pragmatique de cette protection sociale à travers la seconde table ronde dirigée par Vincent De Grauw, intitulée Quelle protection sociale pour les salariés en mobilité? Et à l'issue de cette seconde table ronde, Franck Morel, avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social au cabinet du Premier ministre entre 2017 et 2020, aura la tâche de conclure cette émission. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous avons le plaisir de débuter cette émission qui s'annonce passionnante par Jean-Paul Segade, président du CRAPS. Vous avez la parole, monsieur le président. C'est gentil, merci. D'abord, nous sommes très heureux d'accueillir cette réflexion. C'est que le cercle de réflexion sur l'avenir de la protection sociale, le CRAPS, c'est d'abord, comme je dis souvent, un cercle qui a pour objectif non pas de trouver des solutions, non pas de définir des dogmes, de définir des principes, mais tout simplement de débattre collectivement de manière simple, parfois avec des oppositions naturelles et légitimes, sur la protection sociale. En effet, on estime qu'on ne peut pas être à la fois défenseur de la thèse selon laquelle la protection sociale est le volet social du pacte républicain et en même temps essayer d'avoir une attitude réglementaire systématique. Donc nous sommes très heureux et nous remercions ceux qui participent à cette table ronde, que ce soit les experts, que ce soit les acteurs de terrain. Et c'est intéressant d'avoir à côté des personnes qui vont nous préciser la qualification et les règles. D'avoir des acteurs de terrain qui vont soulever leurs problématiques, et également un avocat réputé, que je salue, de conclure. Donc je pense qu'au terme de ces débats, on n'arrivera pas à sortir l'ensemble des traités relatifs à la protection sociale, mais on aura progressé, et je vous mets tout simplement en lien avec une citation que j'aime bien, qui reflète l'esprit du CRAPS de Machado, No hay camino, el camino se hace al andar. Donc c'est en marchant et en réfléchissant ensemble que je vous propose de travailler autour de ces tables rondes. Merci encore à nos experts, merci à nos acteurs de terrain, merci aussi à nos animateurs qui ont fait un effort de bien comprendre cette problématique. Et puis, bon travail. Alors, on vous écoute. Merci infiniment, Monsieur Jean-Paul Segade, pour votre intervention. Alors, comme annoncé, nous allons passer la parole à Clara Van Panuys, spécialiste de la protection sociale et migration à l'OIT, pour un exposé sur la réglementation mondiale en matière de protection sociale. Vous avez la parole. Activez votre micro parce qu'il me semble qu'on ne vous entend pas, Clara. Ah, mes excuses, je Voilà, recommence. c'est parfait. On y est tout de suite. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir aujourd'hui de participer à cette discussion qui est à la fois importante mais aussi d'actualité. Alors, au niveau international, l'Organisation internationale du travail estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 4 milliards de personnes, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population mondiale, qui n'a aucune protection sociale sur laquelle se rabattre lorsqu'elles en ont besoin. Ça engendre des vies gâchées et des énormes coûts sociaux qui sont tout simplement inacceptables. La pandémie, en plus, a relevé de manière très nette
cette dure réalité ou ces lacunes en termes de protection sociale, en particulier pour les groupes vulnérables, y compris les migrants, les réfugiés et leurs membres de leur famille. La pandémie a montré à quel point il est important et urgent de mettre en place des systèmes de protection sociale complets et inclusifs. On estime aussi aujourd'hui, l'Organisation internationale du travail, le nombre de migrants à peu près, en fait pas aujourd'hui, mais en 2019, à 169 millions. Alors les migrants, bien sûr, contribuent à l'économie du pays d'accueil. Ils enregistrent même un taux de participation à la vie active plus élevé que les non-migrants en âge de travailler, selon les estimations aussi de l'Organisation internationale du travail. Néanmoins, ces travailleurs migrants ont souvent beaucoup de difficultés à accéder à la protection sociale, peut-être plus que quelqu'un qui a vécu ou travaillé dans le même pays toute sa vie. Alors, ceci pour diverses raisons, même énormément de raisons, souvent basées sur des exigences de nationalité ou des exigences par rapport aux années de travail ou de résidence, c'est-à-dire la période de cotisation, souvent insuffisante pour prétendre aux prestations. Donc, reconnaissant la nécessité croissante de protéger le droit des travailleurs migrants à la sécurité sociale, l'Organisation internationale du travail a développé une approche d'extension de protection sociale pour les travailleurs migrants, les réfugiés et leurs familles, qui a récemment été validée, récemment en mars 2022, par les membres tripartites des États membres du Conseil d'administration de l'OIT, prenant en compte aussi les conclusions de la conférence internationale de 2021. Alors, pour vous donner un peu plus le cadre mondial, l'accès à la protection sociale pour tous, y compris les travailleurs migrants et les réfugiés, fait également partie des priorités de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, ainsi que du pacte mondial de 2018 pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et du pacte mondial sur les réfugiés. Alors, les pays peuvent adopter différentes mesures afin de favoriser le droit à la sécurité sociale pour les travailleurs migrants. Au niveau national, les pays peuvent prendre des mesures unilatérales visant à protéger les travailleurs migrants dans le cadre des politiques nationales. Et au niveau international, la ratification et la mise en œuvre d'instruments internationaux permettent de garantir les droits de travailleurs migrants à la sécurité sociale. Cette approche avec ces différentes mesures qui sont possibles à mettre en œuvre par les pays a été développée sur base des conventions internationales du travail de l'OIT. Il y en a effectivement à peu près plus de 30 ou 40, disons, avec des provisions concernant la protection sociale pour les migrants, pour les travailleurs migrants. La première chose à avoir en tête, c'est que une convention internationale du travail qui cible un travailleur, sauf si explicitement les migrants sont inclus, c'est considéré qu'un migrant travailleur est un travailleur. Donc, les conventions de sécurité sociale, par exemple, de l'OIT, sont applicables pour les travailleurs et donc y incluent les travailleurs migrants. Ceci dit, les conventions les plus importantes pour ce sujet, ce serait la convention 102 qui concerne la sécurité sociale, les normes minimum, ainsi que la convention 118 sur l'égalité de traitement entre les nationaux et les non-nationaux en termes de sécurité sociale. Mes excuses. Cette petite interlude, mais effectivement, c'est... Bon, voilà. Les aléas du direct, c'est pas grave, Clara. On est entre nous, il n'y a aucun souci. On a presque l'habitude avec la pandémie, mais il y a encore des erreurs. Mes excuses. C'est pas grave. Alors, j'ai encore un peu de temps. Du coup, je vais vous détailler peut-être, si vous voulez bien, j'ai encore un peu de temps. Bien sûr. Bien sûr, allez-y. On était captivés par votre description de la convention sur les... Alors, ces conventions détaillent le contenu, en fait, de notre approche.
avec ces différentes mesures. Et donc, la mesure la plus protectrice pour les travailleurs migrants et la plus efficace, c'est la mesure de conclure des accords de sécurité sociale bilatéraux ou multilatérales, donc ou régionales ou intra-régionales ou interrégionales. Je m'excuse. Je vais devoir m'en re. Oui, bien sûr. C'est effectivement. On va arriver à suivre le propos de Madame Nicolas Fontpanuis. Mais oui. Nous, elle était on a tous eu ce genre de petits problèmes lors des. Voilà. Voilà, effectivement, ce sont des personnes qui s'invitent au séminaire. Allez, on ne sait pas si Madame. Voilà, ah, voilà, Clara est de retour. C'est des personnes qui s'invitent à votre émission. Je mets à l'aise, Clara. Moi, j'ai baïonné mes deux chats qui sont en train de miauler devant ma porte. Là, vous les entendez pas, mais ça miaule dur de mon côté. Hein. Je vous laisse reprendre votre propos. Oui, franchement, c'est déjà très intéressant. Reprenez tranquillement, il n'y a pas de souci. Je suis effectivement un peu perturbée. Voilà. Ok, donc les accords de sécurité sociale. Nous avons fait une cartographie, je pense qu'il pourrait vous intéresser, ensemble avec l'Association internationale de sécurité sociale, qui révèle l'existence de 660 accords de sécurité sociale, 645 accords bilatéraux, les autres sont des accords multilatéraux. La cartographie montre une augmentation progressive au cours du temps. Alors, historiquement, ce sont les pays européens qui en ont conclu le plus d'accords. En Afrique et Asie, les pays partenaires proviennent soit de la région, soit de l'Europe, majoritairement. Plusieurs accords de sécurité sociale sont actuellement en négociation, notamment des accords multilatéraux en Afrique, ce qui fait écho, en fait, au flux migratoire et au bouleversement économique actuel. Alors, globalement, cette cartographie nous montre aussi que les branches couvertes par les accords de sécurité sociale sont majoritairement des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants. Alors, si vous avez en tête que c'est 660 accords qui existent mondialement, avec que la moitié qui couvre uniquement les branches de vieillesse, invalidité et survivants, vous pouvez voir qu'il y a une énorme lacune en termes de couverture. Alors, pour les accords de sécurité sociale, bilatérale et multilatérale, ce qui est important à comprendre, c'est que ces accords sont absolument nécessaires pour assurer une coordination entre les deux pays et pour assurer la portabilité des prestations et des droits d'un pays à l'autre pour des travailleurs migrants. Sans un accord comme ça, ce serait impossible pour... transférer les droits ou les cotisations qu'un migrant a acquis dans un pays à un autre pays. Ceci dit, il y a des mesures unilatérales qu'un pays peut mettre en œuvre qui sont totalement complémentaires. Alors, les mesures unilatérales, bien sûr, la plus importante, c'est qu'il faut, comme condition sine qua non, de toute façon aussi pour les accords bilatéraux, un régime de sécurité sociale existant dans les deux pays. Sinon, il n'y a pas de droit non plus à transférer avec les accords. Deuxièmement, pour les mesures que des pays peuvent prendre de manière unilatérale, c'est important d'avoir en tête que ceci peut être fait, bien sûr, par des pays de destination ou les pays d'emploi des migrants, afin d'assurer une égalité de traitement entre les migrants et les nationaux. Mais des mesures unilatérales peuvent aussi être prises et sont de plus en plus prises par des pays d'origine, de provenance des travailleurs migrants pour soit aider les migrants lorsqu'ils travaillent à l'étranger, soit quand ils sont des migrants de retour, donc quand ils reviennent dans leur propre pays au bout de plusieurs années ou quelques mois de travail à l'étranger, ou alors aussi pour les membres de famille, les dépendants, du travailleur migrant qui souvent, ou dans certains cas, reste dans le pays d'origine. Donc, pour toutes ces raisons, c'est très important aussi de prendre des mesures unilatérales, de s'assurer que tout le monde, y inclut les membres des travailleurs migrants, ont accès à la protection sociale. Alors,
Par exemple, pour avoir quelques exemples de ces mesures, un pays peut par exemple permettre aux migrants d'effectuer des paiements rétroactifs pour des périodes de cotisation manquées ou d'avoir des règles plus flexibles pour exempter les migrants des conditions d'admissibilité et des exigences minimales, ou alors d'autoriser des versements forfaitaires ou des remboursements, ce qui engendrerait seulement une protection beaucoup plus limitée, forcément, vu qu'il n'y aura pas de périodicité de prestations versées. Alors, tout ça devrait bien sûr être complété par des mesures complémentaires pour aussi surmonter les obstacles pratiques auxquels les travailleurs migrants font face, comme par exemple des barrières de langage, donc des campagnes de communication, des brochures dans différentes langues appropriées, une simplification des procédures administratives et la représentation des travailleurs migrants. Alors l'OIT, par le biais de son vaste corpus de normes et de son assistance technique, soutient donc les gouvernements, les organisations de travailleurs et les employeurs dans leur effort de mettre en œuvre de la protection sociale pour les travailleurs migrants et les réfugiés. C'est dans ce contexte que l'OIT a élaboré un guide avec des orientations pratiques basées sur les normes internationales du travail et de bonnes pratiques et qui détaillent plus cette approche et toutes les mesures différentes qui peuvent être prises. Alors, ce guide appelle à la conception et à la mise en œuvre de systèmes de protection sociale appropriés et inclusifs au niveau national, mais également à la transférabilité des prestations entre les pays. Il souligne que l'incapacité à combler les lacunes en matière de protection sociale a un coût politique et économique élevé pour les gouvernements. En fait, elle entrave les efforts de développement et surtout aussi elle contredit les droits de l'homme, notamment le droit à la sécurité sociale et les valeurs universelles. La protection sociale devrait être une réalité pour tous, y compris les migrants, les réfugiés et leurs familles. Je vous relaisse la parole. Merci Ben à merci tous. infiniment Clara. Merci beaucoup Clara Van Panuès pour cet éclairage. Alors de la réglementation à l'échelle internationale, de la donnée aussi, de la data, de tous les chiffres. Il y a un certain nombre, vous avez évoqué un certain nombre de choses que moi je ne connaissais pas. Peut-être que les gens qui suivent l'émission ne connaissaient pas non plus. Donc c'était extrêmement intéressant. Et là, c'est toujours très court. On vous remercie chaleureusement d'avoir participé. Ça va nous conduire très logiquement à aborder le sujet de notre première table ronde, animée par Martine Derdevet, experte en mobilité internationale, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent. Ah, maintenant, il est temps effectivement d'aborder notre première table ronde, puisque Clara vient de nous brosser un panorama très intéressant sur la réglementation à l'échelle mondiale. Alors, cette première table ronde, elle est intitulée Existe-t-il un cadre réglementaire à la protection sociale internationale? J'accueille donc nos invités, tous experts en la matière, pour en débattre. Et tout d'abord, j'accueille Ismaël Omarji, vous êtes maître de conférences en droit privé, habilité à diriger des recherches à l'Université Paris-Nanterre. David Pascal Dion, chef d'unité à la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion à la Commission européenne. Mathilde Frappard, docteur en droit, juriste en charge des dossiers internationaux et européens à la CFDT. Bijan Egbal, avocat associé chez DLA Piper et président d'AmCham France à la Chambre de commerce américaine. Alors, monsieur Ismaël Omarji, vous allez ouvrir cette table ronde et j'ai envie de vous poser la question suivante. La protection sociale, on l'a vu avec les propos de Clara Van Panuys, elle puise essentiellement ses sources dans la réglementation nationale. Mais elle s'appuie sur un socle réglementaire international incontestable qui reste quand même toutefois très imparfait. Il s'agit principalement d'une coordination via les accords bilatéraux ou les règlements européens. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce mécano, ou plutôt cette architecture qui paraît plutôt complexe de la réglementation en matière de protection sociale?
Bonjour Bonjour à à tous. tous. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de participer à cette table ronde et donc merci de m'accueillir. Mon propos complète parfaitement le propos précédent puisque moi, je vais parler surtout de l'aspect européen. Et il y a donc l'aspect international, donc l'OIT, les conventions qui ont été mentionnées, les accords bilatéraux qui, d'un point de vue européen, sont relatifs à la mobilité des pays tiers et qui sont commandés par un principe de réciprocité. Ils répondent à peu près au même modèle. Et puis, il y a les règlements européens de coordination des régimes de sécurité sociale. Ce sont des règlements, le règlement du 29 avril 2004 et du 16 septembre 2009, qui est un règlement d'application. Ces règlements, ils s'appliquent à la mobilité intra-européenne, mais également, ils vont au-delà parce qu'ils s'appliquent aussi à l'espace économique européen, notamment avec l'Islande et la Norvège, avec la Suisse, car il y a un accord spécifique avec la Suisse, un degré moindre avec la Turquie, notamment en faveur des travailleurs turcs. Alors, je crois qu'utile au regard de ce qui a été dit précédemment, de préciser que ces règlements, ils partagent une inspiration commune, incontestable, avec les conventions de l'OIT, puisque on retrouve l'idée d'égalité entre les migrants et les nationaux, de maintien des droits acquis en cas de mobilité. Et je dois dire que la convention numéro 102, justement relative à un norme minimal en matière de sécurité sociale, a inspiré la rédaction des règlements européens, notamment quant au champ d'application et aux branches de sécurité sociale qui sont couvertes. Alors, ces règlements européens, au fond, ils génèrent une situation tout à fait paradoxale parce que, incontestablement, ils sont très aboutis et ils permettent de garantir la protection sociale des travailleurs mobiles, d'ailleurs qu'ils soient salariés ou non salariés, et même plus généralement des citoyens européens et des membres de leur famille. Ils couvrent un champ très large, toutes les branches de sécurité sociale, et leurs règles s'imposent aux institutions, aux acteurs, aux juridictions. Mais, du fait d'une technicité redoutable, leur mise en œuvre s'avère très difficile, d'où un contentieux très abondant et une insécurité, aussi bien pour les institutions de sécurité sociale, mais également pour les entreprises et pour les travailleurs concernés. Et comme vous le savez tous sans doute, qui vous intéressez à la protection sociale, une proposition de modification est en cours de discussion, mais depuis 2016, et elle n'avance pas beaucoup. J'y reviendrai dans un instant si j'ai le temps. Alors, quelle est la spécificité de ces règlements de coordination? Il y a une idée générale qui est selon laquelle les travailleurs qui se déplacent ne doivent pas perdre de droits, c'est-à-dire que la mobilité ne doit pas se traduire par une perte de droits. Et une formule revient constamment au sein de la juridiction communautaire, c'est-à-dire la Cour de justice, qui indique que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre de droits à des prestations de sécurité sociale, ni subir une réduction du montant de celle-ci en raison du fait qu'ils ont exercé leur droit à la libre circulation. Et ce qui fait vraiment la spécificité des règlements, c'est qu'ils sont liés au principe de droit, au principe cardinal, fondamental de libre circulation des travailleurs et des personnes au sein de l'Union européenne. Et ensuite, le règlement vise aussi à répartir un juste équilibre en matière de charges financières entre les États membres. Il faut une répartition équitable entre les différents États membres quant à la charge de la mobilité. Alors, quelles sont les techniques applicables par le règlement? D'abord, les règlements visent à déterminer la législation applicable aux travailleurs en mobilité dans un double souci. D'abord, éviter la carence, éviter que ce qu'on appelle, nous les juristes, le conflit négatif de loi, c'est-à-dire éviter qu'aucune loi ne soit applicable, et éviter également le cumul de lois applicables, ce qu'on appelle le conflit positif de loi. Et il s'appuie donc, ces règlements s'appuient sur quelques principes. D'abord, c'est l'emprise de la loi du lieu de travail habituel. C'est-à-dire que, au fond, la loi qui s'applique aux travailleurs migrants, c'est la loi du lieu d'exécution habituel de leur travail. Même en cas de dissociation entre la résidence et le travail, on appliquera la loi du territoire sur lequel ils exercent une activité. Et, on verra dans un instant que ce critère est très important en matière de détachement des travailleurs.
Lorsque l'activité se déploie sur plusieurs territoires, la résidence du salarié, le critère de la résidence, vient au secours de la solution. Et ces règlements, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils s'appuient également sur le principe d'égalité de traitement pour entre les migrants et les nationaux, et sur une technique particulière qui est la totalisation des périodes d'emploi et d'assurance, et qui est très utile pour les prestations qui s'acquièrent dans le temps, notamment les prestations de retraite, l'idée que si on travaille dans plusieurs États, évidemment, il faut prendre en compte ces différentes périodes d'assurance pour que le calcul, notamment, des pensions de retraite. Mais ces règlements, leur mise en œuvre soulève des difficultés et a révélé quelques insuffisances, des manques, et donc un certain nombre de difficultés auxquelles est censée répondre la proposition de modification de 2016. Alors, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous signaler juste quelques difficultés. D'abord, je crois que tout le monde le sait ici, la question du détachement des travailleurs. Le règlement prévoit qu'en cas de détachement de travailleurs, c'est-à-dire de mobilité de courte durée, la loi d'origine de sécurité sociale continue de s'appliquer aux travailleurs, et cela, cette solution n'est pas en harmonie avec ce qui se passe en droit du travail, puisqu'en droit du travail, c'est la loi du pays d'accueil qui s'applique. La durée de détachement est de 2 ans dans les règlements européens, dans les directives sur le droit du travail, elle est d'un an, donc il n'y a pas une harmonisation au fond de la notion de détachement, et cette règle de distincte, c'est-à-dire loi d'origine d'un côté, loi d'accueil de l'autre, génère des situations de dumping social, de contournement, de fraude. Et la jurisprudence européenne, je pourrais y revenir s'il y a des questions, n'est pas du tout satisfaisante là-dessus, parce qu'elle elle ne permet pas aux juges nationaux, notamment, d'écarter des situations abusives. La proposition de règlement insiste là-dessus et vise à un fil conducteur, c'est-à-dire de lutter contre les pratiques déloyales, prévoit un certain nombre d'éléments qui pourraient peut-être être positifs, notamment la possibilité d'écarter des certificats d'affiliation qui seraient pas suffisamment bien remplis. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais si la proposition aboutit, il y a des progrès peut-être à espérer dans ce domaine. La deuxième difficulté concerne le chômage, où les règles sont d'une redoutable complexité, et notamment lorsqu'une personne a travaillé dans un pays et ensuite va chercher du travail dans un autre pays, il est prévu qu'il ne peut conserver ses droits au chômage pendant 3 mois simplement. Et la proposition de règlement de 2016 vise à prolonger jusqu'à 6 mois. Donc là, il y aurait peut-être une petite amélioration. Autre difficulté, c'est que les règlements de coordination excluent de leur champ les régimes conventionnels, professionnels, et ce qui s'apparente au fond à l'exclusion des régimes complémentaires, au fond. Et là, dans la mesure où ces régimes prennent de plus en plus d'importance dans la protection des salariés, cela peut soulever des difficultés. Et dans ce domaine, il y a... Alors, je suis peut-être trop long, donc vous m'interrompez si je... Non, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'il va falloir conclure. On a du mal à vous arrêter, parce qu'on vous écouterait encore bien longtemps, mais il va falloir... Donc, je dis juste que dans ce domaine, il y a deux directives, une directive de 98, une directive du 16 avril 2014, qui vise à prendre en compte les prestations complémentaires, mais qui ne vise pas, en réalité, la portabilité des droits. Or, c'est la question essentielle. Donc, les directives sont insuffisantes sur ce plan. Et ensuite, les règlements étaient élaborés à un moment où il n'y avait pas de travailleurs de plateforme, où le télétravail était beaucoup moins développé. Et là aussi, il y a tout un champ qui devrait être investi dans des réglementations futures. Ah bien, ils ont beaucoup de chance, les étudiants, de vous avoir. Merci beaucoup, Ismaël Oumarji, pour cet exposé très clair de la réglementation européenne, hein, parce qu'on a bien vu que c'était très complexe. Mm-hmm. Et justement, ça nous permet d'enchaîner avec notre second intervenant, dont les propos vont certainement faire écho, puisqu'il est, lui, au cœur de la réalité des problématiques européennes de coordination de sécurité sociale.
c'est Monsieur David Pascal Dion. Donc, j'ai envie de vous poser la question pour poursuivre les propos d'Ismaël Omarji. À ce stade de nos discussions, quelle est la réalité, en fait, de la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres clés? Est-ce que vous pouvez nous donner des règles, des pratiques en vigueur ou potentiellement c'est l'avenir? Et justement, avec ces difficultés, y a-t-il des initiatives qui sont destinées à faciliter l'exercice de cette coordination, à la fois pour les citoyens qui sont mobiles, mais j'ai envie de dire aussi les entreprises, les administrations? Est-ce que vous pouvez justement nous donner des données très pragmatiques vues de la Commission européenne? Vous avez la parole. Très volontiers. Merci, merci Martine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous de Bruxelles, où aussi incroyable que cela puisse paraître, il fait à la fois beau et chaud. Donc, pour répondre à vos questions, à vos deux questions, et je pense que ça va effectivement compléter ce que nous avons entendu d'Ismaël. Tout d'abord, pour les aspects juridiques et la réalité finalement de la coordination de la sécurité sociale. Peut-être un élément important, la coordination de la sécurité sociale. Ce thème, c'est le premier thème qui a été traité par la Communauté économique européenne. Si on se replace dans le passé, les questions de coordination de la sécurité sociale étaient déjà présentes dans le cadre de la Communauté européenne pour le charbon et l'acier. Et les premiers règlements politiques qui ont été adoptés par la CE à l'époque étaient sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'était les règlements 3 et 4, donc les tout premiers règlements. Et si vous aimez jouer au Trivial Poursuite et que vous vous posez la question quels étaient les règlements 1 et 2, ben le premier règlement, c'était sur le régime linguistique dans les institutions, et le deuxième, c'était sur les accès aux bâtiments. Donc les premiers règlements politiques sont sur la coordination de la sécurité sociale, et je pense que c'est fondamental parce que ça montre la priorité qui a été donnée à ce sujet. Ensuite, il y a eu des modernisations, des modifications, notamment celle qui s'est faite en 71 et 72, puis celle dont a parlé Ismaël en 2004 et 2009, et celle que mon équipe donc a préparée depuis 2016 et qui est effectivement en négociation avec le Conseil des ministres d'un côté et d'autre part avec le Parlement européen. Donc, une longue histoire, une très longue histoire. Et effectivement, comme le disait Ismaël, nous couvrons avec ces règlements toutes les principales branches de la sécurité sociale, c'est-à-dire à la fois les soins de santé, le chômage, la famille, les retraites, les accidents du travail, et ainsi de suite. Nous couvrons aussi 32 pays. Nous couvrons les 27 États membres, comme on l'a entendu, mais aussi effectivement les pays EFTA, avec des accords un peu différents, mais aussi le Royaume-Uni. Bien que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne, il est encore couvert en partie par ces règlements. Alors, en termes de réalité, alors nous avons évidemment une collecte statistique de données qui nous permet en fait d'obtenir des différents États participants un certain nombre de données statistiques qui nous semblent essentielles. Par exemple, ce qui est important, c'est quelle est la réalité de la coordination? Combien de personnes, combien de citoyens européens vivent en dehors de leur pays dans un autre pays européen? Ben, c'est 18 millions, un peu moins de 18 millions. 18 millions, ça veut dire un peu plus de 4% de la population totale. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même assez substantiel. Une autre statistique, toujours pour les amateurs de Trivial Poursuite, savez-vous combien de cartes européennes d'assurance maladie existent au niveau européen? Vous savez, ce sont ces fameuses cartes que je vous conseille fortement d'avoir lorsque vous franchissez une frontière au sein de l'Union européenne, au cas où vous auriez éventuellement un accident dans un pays étranger. Eh bien, ces cartes européennes d'assurance maladie, ça représente 240 millions. Une véritable success story. Quasiment la moitié de la population européenne dispose dans leur poche de cette carte d'assurance maladie qui leur permet d'accéder aux soins de santé dans un pays étranger et d'être couvert dans les mêmes conditions qu'une personne résidente dans ce pays. Une autre réalité, puisqu'effectivement Ismaël en parlait, la question de ce que j'appellerais le document portable A1. Alors c'est un peu technique comme nom, mais cela recouvre la réalité à la fois du détachement et de la pluriactivité, ainsi que d'autres phénomènes. On parle d'environ un peu plus de 4 millions de personnes. C'est substantiel, c'est pas non plus énorme. D'une manière générale, pour la réalité, je pense que ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a un nombre substantiel de personnes concernées
par la mobilité des citoyens au niveau européen, par la coordination de la sécurité sociale, effectivement, tout à fait, objectivement. En même temps, ce ne sont pas des chiffres énormes. Ce sont des chiffres qui croissent, mais ce ne sont pas des chiffres énormes. Et peut-être un dernier élément en ce qui concerne la réalité, les personnes qui travaillent ou vivent à l'étranger, citoyens européens, qui vivent dans un autre pays européen, contribuent évidemment à la sécurité sociale du pays dans lequel ils se trouvent. Et on s'est aperçu, d'après un nombre impressionnant d'études, que finalement ces personnes contribuent plus qu'elles ne reçoivent. Et ça, je pense que c'est aussi un message, je dirais, à la fois politique, économique et financier, assez important. Ismaël a mentionné la question du télétravail. Et là, peut-être juste un point sur le télétravail. Pendant la période de pandémie, évidemment, comme nous le savons, il y a eu pendant un moment une fermeture des frontières, il y a eu des confinements, il y a eu du télétravail obligatoire. Donc, une certaine partie de la population qui avait l'habitude de travailler à l'étranger n'a pas pu s'y rendre. Donc, par définition, ils ont dû faire du télétravail. Les règles de la sécurité sociale, des règles de la coordination de la sécurité sociale sont assez flexibles. Et elles ont permis finalement de gérer cette situation en invoquant le concept de force majeure. Les personnes n'étaient pas en mesure de se rendre sur leur lieu de travail, non pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce qu'elles ne le pouvaient pas. Et donc, nous avons pu finalement discuter avec les États membres et nous mettre d'accord sur une guidance qui a été reprise par les différents pays et qui a été appliquée par les différents pays, qui a permis de gérer cette situation un peu particulière. Pour la situation post-pandémique, puisque finalement, bonne nouvelle, la pandémie, si tout va bien, est en train de décroître, et donc nous rentrons dans une nouvelle phase qui est post-pandémique. Et bien pendant cette phase post-pandémique, la question est de voir, nous ne pouvons plus invoquer le concept de force majeure, mais est-ce que les règles de la coordination permettent malgré tout de couvrir la situation de ces personnes qui finalement, cette fois-ci, ne seront plus obligées de télétravailler, mais par choix, avec leur employeur, pourraient vouloir effectivement télétravailler. Et donc nous, là aussi, nous travaillons avec les États membres à notre initiative pour pouvoir obtenir des règles qui soient à la fois transparentes, claires et qui puissent donc couvrir ce type de situation. J'ai parlé de la réalité statistique, des règles, des principes, de l'histoire, de la question, je dirais, actuelle du télétravail. Mais vous avez aussi posé la question, Martine, des innovations éventuelles. Et donc, j'aimerais terminer là-dessus, s'il me reste encore 2-3 minutes. Oui, il vous reste une petite minute, mais on sera très contente de vous écouter là-dessus aussi. Parfait. Alors là-dessus, ce que je voudrais évoquer, en fait, c'est les systèmes IT qui existent dans ce domaine. Deux systèmes. Le premier système, qui s'appelle EESSI, c'est en fait un système d'échange d'informations électroniques entre les différentes institutions. C'est-à-dire que les institutions de sécurité sociale, il en existe des milliers à travers l'Union européenne, disposent désormais d'un système IT qui est commun, qu'elles utilisent et qui leur permettent d'échanger toutes les informations nécessaires sur les différents travailleurs ou citoyens mobiles qui peuvent vouloir accéder à leurs droits, ce qui était traité jusqu'à maintenant sous un format papier ou éventuellement par email, bénéficie désormais d'un système beaucoup plus efficace, beaucoup plus sûr et beaucoup plus rapide. Oui, je suis désolée, mais il va falloir que vous concluiez. Alors, je conclue en fait avec le dernier système que nous essayons de mettre en place, qui est un système d'échange entre les citoyens mobiles et les institutions de sécurité sociale. Nous y travaillons, nous espérons faciliter la vie des citoyens et des travailleurs mobiles. Mais je pense que, comme vous l'aurez compris, avec ces règles de coordination, nous avons à la fois un processus historique permettant de couvrir les droits des citoyens mobiles que nous ne cessons d'améliorer. Et j'espère que dans les prochaines années, nous pourrons pousser la digitalisation de manière à faciliter la vie aussi de nos citoyens et pas simplement de nos administrations. Je vous remercie. Merci beaucoup, David Pascal Dion, vraiment pour ce point de vue très intéressant qui nous a renseigné davantage sur les enjeux de cette coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen que vous avez su rendre très vivant. Je rappelle aux internautes que s'ils veulent poser des questions ou en tout cas faire des commentaires, ils y sont bien sûr invités et bien sûr certaines de vos commentaires pourront être mises à l'écran. Merci vraiment Monsieur Dion. Et justement, vous avez évoqué cette longue histoire qui a débuté fin 2016 avec une révision des deux règlements européens en la matière pour les adapter, ce que vous avez parfaitement décrit, au format actuel de mobilité internationale et surtout de lutter contre la fraude
en particulier celle qui est liée au détachement. Alors, on sait que le détachement est un enjeu très important pour le mouvement syndical européen. Précisément, on aimerait savoir comment s'impliquent ou se positionnent les organisations syndicales, en l'occurrence plutôt la Confédération européenne des syndicats, la CES, à laquelle la CFDT est membre dans les discussions, est membre, et comment cette centrale syndicale participe aux discussions activement de cette révision. Mathilde Frappard, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce sujet ? Merci Martine, bonjour à toutes et à tous et merci encore une fois de cette invitation voilà, dans le cadre de ce live d'aujourd'hui. Donc effectivement, la question du détachement et au-delà celle qui recouvre les règles de mobilité des travailleurs constitue des enjeux cruciaux pour le mouvement syndical européen, qui par le biais donc de la Confédération européenne des syndicats défend l'intérêt et les droits des travailleurs européens. Alors la CES, hein, la Confédération européenne des syndicats, à laquelle, comme tu le précisais Martine, la CFDT est affiliée et qui est actuellement présidée par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, eh bien donc la CES représente aujourd'hui 90 confédérations syndicales nationales dans 38 pays, donc des pays qui sont également hors Union européenne, et elle couvre également des fédérations syndicales européennes. Donc comme vous pouvez le constater, la CES rassemble ainsi une variété de cultures du dialogue social, mais elle vise un objectif commun qui est celui de la construction de l'Europe sociale. Alors, la CES œuvre ainsi au quotidien pour la défense des droits des travailleurs, mais aussi pour la création de nouveaux droits, que ce soit dans le cadre du dialogue social européen et de la négociation collective, mais également dans le cadre de nouvelles législations sociales qui sont discutées, à l'instar donc des règlements de coordination de sécurité sociale qui sont actuellement en cours de révision. Alors pourquoi avons-nous intérêt en tant qu'organisation syndicale à peser dans la révision de ces règlements européens de coordination de sécurité sociale? Eh bien, il s'agit pour nous de préserver et de renforcer les droits des travailleurs mobiles. Il faut en effet rappeler que les droits des citoyens européens et de leurs familles de circuler et de s'installer dans n'importe quel État membre de l'Union européenne constitue l'une des quatre grandes libertés fondamentales garanties par les traités européens, à savoir ici la libre circulation des personnes. Mais concernant cette liberté, force est de constater que celle-ci rencontre des obstacles dans son application et elle n'est pas complètement respectée. Je vais ici rejoindre des constats qui ont été pointés par Ismaël Omarji tout à l'heure. Donc, tout d'abord, si on regarde du côté du détachement, eh bien, il existe en effet des abus dans le cas du détachement liés au fait que l'on va contourner certaines règles, hein, ce qui va conduire tout simplement à avoir du dumping social en jouant sur l'aspect cotisation sociale ou aussi la délivrance de ce fameux certificat A1 dans des conditions frauduleuses. Et pour nous, il est impératif de lutter contre ce dumping social en renforçant et en contrôlant les règles donc de coordination de sécurité sociale. Un autre obstacle également à cette liberté de circulation des personnes réside dans le fait que les travailleurs mobiles sont souvent confrontés à la discrimination sur la base de la nationalité ou de la résidence. Et ils sont également traités de façon inéquitable dans de certains domaines, par exemple la protection sociale, la sécurité sociale, également les questions de fiscalité, de conditions de travail, etc. Et dernier point aussi qu'il est important de soulever, c'est que le cadre juridique pour ces travailleurs mobiles est finalement assez complexe. Il s'agit en effet non pas d'harmoniser ou d'uniformiser
des règles au niveau européen, mais il s'agit bien ici de coordonner différents cadres juridiques nationaux qui sont parfois même très divergents, et de les coordonner selon des principes fondamentaux qui sont par exemple le principe de l'égalité de traitement et qui repose également sur la coopération entre les institutions nationales. Alors c'est pour cela que cette question de coordination des règlements européens sur les systèmes de sécurité sociale doit permettre pour les travailleurs et leurs familles de se déplacer dans l'Union européenne tout en garantissant et protégeant leurs droits. A contrario, pour la CES et pour la CFDT, la coordination de ces règles ne doit conduire en aucun cas à une régression ou une diminution de leurs droits et à une diminution des prestations sociales qu'ils ont par ailleurs acquis dans le cadre de leur travail en cotisant. Donc c'est un droit qui leur est dit. Alors, de quelle manière la CES s'est impliquée dans le cadre de la révision de ces règlements, révision qui donc a débuté en 2016, eh bien, la CES et la CFDT qui est membre affilié, se sont impliqués dès le début des discussions, dans le cadre notamment d'une consultation informelle qui avait été menée donc par la commission. Nous sommes également impliqués depuis le début du processus législatif, c'est-à-dire dans le cadre des discussions menées d'un côté au sein du Parlement européen et de l'autre au sein du Conseil, donc des discussions qui engagent les différents États membres de l'Union européenne, et également dans le cadre de ces fameux trilogues, donc ces discussions, ces négociations interinstitutionnelles. Et comment on agit? C'est en faisant du lobbying auprès des institutions et des États membres, qui prend la forme, par exemple, d'interpellations, de prises de contact, d'échanges directs avec les institutions et les gouvernements, la proposition aussi d'amendements pour être repris. Et au niveau de la CFDT, nous avons également pu rencontrer les rapporteurs du dossier au niveau du Parlement européen. Alors, je vois, Martine, que tu es revenue. Comment ? Non, mais je te laisse conclure. Alors, ok. Alors, très, très, très rapidement, je voulais, mais je n'aurai pas le temps de développer, mais en décembre dernier, les institutions étaient parvenues à un accord provisoire entre elles qui reprenait globalement l'ensemble de nos demandes au niveau de la CES et de la CFDT. Donc, il s'agissait notamment de la question de l'exportation des prestations chômage dont a parlé tout à l'heure Ismaël Omarji, et également aussi au niveau du détachement de renforcer les règles, notamment en prévoyant une affiliation préalable de 3 mois pour un travailleur détaché, et le principe d'une notification préalable aussi au détachement, avec quelques exceptions, mais j'ai pas le temps de développer. Malheureusement, cet accord provisoire a été rejeté par certains États membres assez réticents donc sur cette question-là. Et c'est un second échec qu'on peut souligner, puisqu'il y en avait déjà eu un en 2019, là à nouveau en 2021, et on peut fortement regretter cela, puisque cela fait près de 6 ans que cette révision est aujourd'hui discutée. Or, il est impératif de renforcer ces règles et les règles de détachement et les règles visant à garantir l'équité de la portabilité des droits. Et donc, on espère que le dossier sera rapidement remis sur la table des discussions et qu'il ne soit pas retiré par la Commission comme le souhaiteraient certains États membres. Donc voilà, il y a un réel besoin de renforcer l'Europe sociale sur cet aspect. Merci, merci de votre attention. Tu nous as décrit avec vraiment beaucoup de précision le positionnement de la CFDT et de la CES, puisqu'on voit bien que c'est négocié au niveau européen, une très grosse force de frappe. Et là, maintenant, on va changer de continent, puisque nous accueillons Bijan Ekbal. Alors, Bijan, vous êtes, comme je l'évoquais tout à l'heure, bien sûr avocat associé chez DLA Piper, mais vous avez surtout une casquette qui nous intéresse ici ce soir, c'est que vous êtes président d'Amcham France. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de cet organisme? Et puis surtout,
Quel est le statut que vous privilégiez pour les salariés envoyés en France par les employeurs américains au regard de toute cette complexité réglementaire qui a été décrite par tous nos intervenants? Et est-ce que vous constatez une évolution à cet égard? Merci Martine, bonsoir à tous. Je suis évidemment très heureux de pouvoir participer à cette table ronde. Je trouvais que les débats jusqu'à maintenant étaient tout à fait éclairants et passionnants. Alors, l'AmCham France est la première chambre de commerce américaine qui a été implantée hors des États-Unis en 1894. Elle a pour objet la promotion des relations transatlantiques et des échanges commerciaux bilatéraux, bien évidemment, entre la France et les États-Unis. Nous avons environ 200 membres. C'est en pleine croissance, mais à ce stade, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 200 membres. C'est une association qui est régie sous le régime des associations de loi 1901, totalement indépendante des États, qui est au service de ses membres et qui a deux axes d'action principaux. Le premier consiste à représenter ses membres dans les relations institutionnelles avec les instances gouvernementales et administratives. Le second est de produire et de travailler avec ses membres à des contenus qui se traduisent soit par des livres blancs, soit par des rapports qui participent au débat public. Et c'est comme ça que le dernier livre blanc que nous avons publié se rapporte au découplage, au risque de découplage et conséquences d'un éventuel découplage des économies US et enfin américaines et chinoises. Évidemment, c'était avant le conflit que nous connaissons en Ukraine, et ce risque de découplage, on a maintenant un risque un peu plus important de morcellement de l'économie mondiale. Mais on traite également, par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur un sujet qui porte sur la fuite des talents ou la démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ce sont des sujets qui visent à contribuer au débat public. Les États-Unis, en France, c'est 4500 filiales de sociétés américaines qui emploie 520 000 salariés, c'est le premier employeur étranger. Et en 2021, nous avions 115 milliards d'échanges commerciaux en croissance de 16% par rapport à l'année précédente, sachant qu'en 2019, pré-Covid, nous étions à 139 milliards. Voilà un peu une présentation rapide de l'AmCham. Alors, sur l'évolution des statuts d'expatriés de nos amis américains qui viendraient travailler en France. C'est assez intéressant de voir que moi, ça fait 30 ans, enfin plus de 30 ans que j'exerce, et quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de ces statuts d'expatriés, et je trouve qu'aujourd'hui on en parle beaucoup moins, et je me suis enquis auprès de nos membres également pour voir ce qu'il en était au-delà des dossiers que je peux traiter avec mes clients, et tout cela confirme la tendance que j'avais constatée, c'est-à-dire une nette réduction de l'expatriation de nos amis américains sur le territoire français. Alors il faut, pour comprendre peut-être pourquoi, d'où on vient, il faut se poser la question: pourquoi est-ce que les salariés américains étaient envoyés en France? À l'origine, c'était probablement pour des raisons de confiance et de contrôle, de transmission de la culture d'entreprise, qui peut encore exister hein, comme motivation dans certains cas, de transmission du savoir et de promotion des carrières individuelles. Mais aujourd'hui, force est de constater que les besoins ont quand même évolué de manière substantielle. De par la globalisation de l'économie, les entreprises qui veulent avoir une culture globale plutôt qu'une culture américaine, à la fois pour des raisons d'affichage, mais également pour des raisons purement commerciales,
au regard de cette tendance de globalisation, et pour répondre également aux attentes de leurs clients. Aussi, les contraintes ESG, qu'on appelle ici RSE, influent sur cette tendance. Et donc, les entreprises visent plutôt à implanter localement leurs salariés, c'est-à-dire que s'ils envoient des Américains, ils vont leur demander de s'implanter localement, ils vont promouvoir justement la diversité en faisant cela. Et en même temps, il force est de constater également que nous avons d'autres moyens de contrôle aujourd'hui grâce à la technologie qui existe. À tout cela vient se heurter le coût exorbitant des packages d'expatriation tels qu'on les connaissait dans les années 90-2000. Je fais juste un petit rappel de ce que ça pouvait représenter. C'était des primes d'expatriation qui pouvaient parfois aller de 30 à 40% de salaire de base. C'était des primes de coût de la vie, des primes d'installation, des frais de déménagement, des primes de logement, des primes de véhicules, des frais de scolarité, et légalisation fiscale et sociale par rapport à ce que les salariés payaient dans leur pays d'origine, les check-up médicaux annuels, ce qu'on appelle le 401k, qui est un plan de retraite par capitalisation abondé par l'employeur, non fiscalisé quand vous le nourrissez, mais qui le salarié paye de l'impôt quand il l'utilise pendant sa retraite, et des billets d'avion de retour, de visite au pays d'origine. Alors, aujourd'hui, ce qui peut subsister quand on a des Américains... Je vois qu'on a déjà une sonnette d'alarme, Bijane. Je vais vous demander de conclure assez rapidement, puisque nous avons le gardien du temple du temps nous signale. Ça fait 7 minutes que je parle. Bon, vas-y, alors, vas-y. Je vais très vite. Donc, sans compter à cela, viennent s'ajouter les lourdeurs administratives, la complexité réglementaire, la diversité des statuts, l'opposition des différentes réglementations de sécurité sociale et du travail et de migration qu'évoquait Ismaël Omadji. Et déjà, alors que ces packages, on le savait, étaient réservés aux grands groupes plutôt qu'aux PME et start-up, la crise de 2008, 2009 et la crise du Covid sont venus amputer tous ces packages. Avec le Covid, on a constaté que les entreprises rognaient sur les rémunérations justement du management, et évidemment tous ces packages d'expatriation qui pouvaient éventuellement subsister ont été largement rognés et voire supprimés. En outre, les marchés matures aujourd'hui, que sont la France ou les autres pays européens, ne justifient plus tellement qu'on ait des packages d'expatriation, puisqu'on a des solutions de substitution qui existent. Et ils sont un peu maintenus dans des groupes où la culture d'entreprise, de par leur activité, parce que cette culture est incarnée par leur activité, telle que des parcs d'attractions par exemple, justifie à ce moment-là qu'on envoie des expatriés, ou alors dans des pays dits à bas coût, à ce moment-là, cette tendance est encore maintenue pour favoriser le transfert des salariés vers ces pays. Pour le reste, c'est la tendance vers la localisation. Voilà, reste à voir, là, juste pour conclure, reste à voir si la guerre en Ukraine ne va pas changer un petit peu la donne de ce point de vue-là, à cause du morcellement que j'évoquais tout à l'heure de l'économie mondiale. Merci Bijane Ekbal pour cet exposé de la situation que vous avez su parfaitement illustrer. Hein, c'était vraiment clair. Alors, je voulais remercier tous les intervenants de cette première table ronde pour ces échanges très riches. Vous avez réussi le tour de force de vulgariser un contexte réglementaire qui est particulièrement complexe, et je vous en remercie. Merci. Merci à vous. Et c'est précisément dans cet environnement que les entreprises, mais aussi les organismes et les institutions publiques qui travaillent, elles aussi à l'international, elles ont dû faire preuve d'inventivité pour construire leur politique de mobilité internationale. Alors merci Martine, nous avons donc maintenant le plaisir et l'honneur d'accueillir notre grand témoin, Patricia Dos Santos,
directeur général de la Mutuelle des Affaires étrangères et européennes, MA2E. Alors bonjour Madame de Santos, je vais me permettre de vous poser une question. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la MA2E pour les agents qu'elle couvre ? Alors c'est ceux de l'État et plus particulièrement ceux du ministère des Affaires étrangères. Alors, est-il plus difficile de protéger des personnes qui sont aux quatre coins du monde que les personnes qui vivent sur notre territoire national ? Je vous laisse la parole. Alors avant de vous répondre, je vais remercier le CRAPS pour cette invitation à venir présenter la mission de notre maison, parce que c'est une mission très particulière et qui diffère nécessairement de l'expatriation dans le secteur privé. Et à ce titre, la construction du système de protection sociale pour les agents du service public qui sont expatriés, on dit, nous, dans le jargon, affectés à l'étranger, est historique et en même temps reste très, très similaire au modèle français. Et c'est en ça que cela diffère hein, des expatriés du secteur privé. Notre rôle, il est double. Puisque nous allons rester sur un modèle RORC, donc régime obligatoire, régime complémentaire, très français, et la MA2E a la gestion du régime obligatoire pour tous les agents donc du ministère des Affaires étrangères via une délégation de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et un centre de sécurité sociale dédié, ça s'appelle le centre 533, et c'est un régime spécial. Il est spécial puisque dans ce cadre, la prise en charge des frais de santé des agents de la fonction publique qui sont placés en mission de service public à l'étranger, donc affectés à l'étranger, ainsi que la prise en charge des frais de santé de leur famille lorsqu'elles partent avec eux en poste, est faite par la sécurité sociale française dans le pays où ils sont affectés. Pour cette prise en charge, on reste donc, comme je l'évoquais au début de ma présentation, sur le modèle français, ce qui la limite en fait, puisque les actes comme la prise en charge des frais en eux-mêmes, c'est-à-dire les bases de remboursement, restent celles de la sécurité sociale française, donc de la classification commune des actes médicaux, la CCAM, qui définit à la fois les types d'actes qui sont pris en charge, mais également les montants de remboursement. Pour vous donner un exemple parlant, si quelqu'un qui va aller consulter un généraliste à l'étranger, et ce quel que soit le prix, on sait par exemple, je vais reprendre cet exemple souvent, c'est celui des États-Unis, pour deux raisons, parce que c'est un système de santé très différent d'une autre, et aussi parce que c'est le pays dans lequel nous avons le plus d'agents affectés à l'étranger, de par sa taille et de par la population française qui y vit aujourd'hui. Dans ce pays, on sait que la consultation chez un généraliste peut coûter plusieurs centaines de dollars, mais la sécurité sociale remboursera à nos agents 25 euros, donc le tarif de convention défini à la CCAM. De plus, il va y avoir également les actes qui sont définis et qui diffèrent d'un pays à l'autre. Un exemple parlant, le psychiatre, le psychologue. Alors en France, depuis peu, certaines séances de psychologue sont prises en charge, mais dans un cadre très limité, etc. La différenciation psychiatre-psychologue n'existe pas forcément à l'étranger et ça crée parfois de la confusion ou des questions pour nos adhérents sur ces dépenses qui ne comprennent pas pourquoi c'est pas pris en charge. Mais encore une fois, nous restons soumis à la législation française de sécurité sociale, le code de la sécurité sociale. Et c'est là, en fait, que va intervenir la Mutuelle des Affaires étrangères dans son rôle pour la couverture complémentaire. Il y a une différence très importante entre les coûts de santé en France, où le système de santé est largement à la fois géré et régulé par l'État, et qui évite les dérives et l'effet de marché que l'on retrouve dans beaucoup de pays aujourd'hui, et qui a pour conséquence un reste à charge, une part de reste à charge pour l'assuré social, qui voit ses soins à l'étranger qui sont facturés sur la base des tarifs qui sont pratiqués dans le pays où il réside, mais remboursés aux tarifs de la Sécurité sociale France, et donc le reste à charge explose. Et donc sans une couverture appropriée. Merci beaucoup, Madame Dos Santos. Justement, on a envie aussi d'avoir d'autres illustrations, mais c'est pour que on puisse vous poser une seconde question avec une très courte réponse, puisque le temps vraiment là maintenant est très compté pour votre intervention également. J'ai envie de vous poser une très courte question, la deuxième, c'est
Comment d'autres structures pourraient s'inspirer de ce que fait la MA2E pour les agents de l'État? Alors vraiment une réponse très courte, s'il vous plaît. Merci d'avance. Donc, comme je vous le disais, la MA2E, c'est une construction historique puisqu'elle a été créée en 1944 et elle a été créée par et pour les agents du ministère. Donc, ce qui la caractérise, et je vais aller très vite, c'est que c'est une couverture sur mesure. Donc, ce sont les agents qui ont défini leurs besoins et qui sont venus définir ce qui serait pris en charge et à quel niveau. C'est également, du coup, une couverture qui tient compte de la cellule familiale puisqu'ils partent en famille et que c'est un point très très important pour eux d'assurer également la couverture des membres de la cellule familiale qui partent en poste avec eux ou qui pourraient être amenés à rester en France mais à venir leur rendre visite régulièrement. Il faut également tenir compte de la non-discrimination dans la couverture. Par exemple, chez nous, le fait générateur il ne sera pas appliqué à l'adhésion pour des pathologies longues déjà existantes ou la maternité, puisqu'en fait, ce sont les aléas de la vie professionnelle et des affectations qui amènent l'agent à souscrire une couverture à l'étranger et que ça ne peut pas être anticipé comme un problème de santé qui ne peut pas être anticipé. Mais il s'agit de ne pas léser ces agents dans leur évolution professionnelle, dans leur carrière, juste parce qu'ils auraient des problèmes de santé. Et donc, je vais conclure très rapidement. S'inspirer de la MA2E, c'est l'humain, en fait. Hein. Simplement, garder à l'esprit, comme préoccupation première, l'humain. Une expatriation, ce n'est pas seulement un changement d'activité professionnelle d'une personne, c'est un changement de vie pour toute une famille, un changement de lieu de vie, d'habitude. Ça crée souvent un stress supplémentaire lorsqu'il s'agit du sujet particulier sensible de la santé. Donc, il s'agit plus simplement de rembourser des dépenses de santé, mais accompagner le mieux possible ces personnes dans les situations nouvelles, parfois stressantes, et pour lesquelles souvent nous serons le seul interlocuteur vers lequel ces personnes pourront se tourner. Donc l'accompagnement, il devra commencer avant, avec des conseils sur les démarches à effectuer pour mettre en place la couverture avant le départ, des conseils sur le système de santé auquel ils vont être confrontés dans le pays où ils seront affectés, et des conseils lorsque, malheureusement parfois, surgiront de gros soucis de santé pour mettre en place un accompagnement personnalisé et humain pour conseiller et aider à vivre le mieux possible ces situations souvent compliquées et stressantes. Merci beaucoup, Madame de Santos, à nous avoir partagé votre vision de la situation de la MA2E. Très intéressant ce que vous venez de rappeler, parce qu'il y a ce côté accompagnement qui est très important. On est dans un public en mobilité, vous venez de le dire, c'est des gens qui bougent, c'est des gens qui traversent le monde, c'est des gens qui partent, qui reviennent. On est dans l'interculturel, on part un peu vers l'inconnu, puis cet accompagnement, on voit bien que la mutuelle des affaires étrangères joue aussi ce rôle extrêmement important de garder ce lien et puis d'accompagnement sur les frais de soins. Encore une fois, c'est encore une fois un public en mobilité, qu'il soit dans la fonction publique ou dans le privé tout court, ça reste des gens qui concrètement prennent l'avion, vont à l'autre bout du monde exercer une mission, et il faut bien qu'ils soient couverts d'une certaine manière. C'est vraiment bien ce que j'ai compris de votre intervention. On vous remercie beaucoup. Merci. Alors, la mobilité à l'international, elle, comme vous l'avez vu, elle fait l'objet d'une combinaison de différents domaines du droit, principalement celui de la sécurité sociale, c'est ce qui est l'objet de notre émission de ce soir. Mais il faut encore ajouter le droit social, il faut ajouter le droit fiscal, le droit de l'immigration, et ça, non seulement dans le pays d'origine, mais aussi dans le pays d'accueil. Et c'est ce qui rend l'équation pour les entreprises et les organismes publics très épineuse. Alors, c'est ce que nous vous proposons de regarder maintenant à travers la seconde table ronde dirigée par Vincent De Grave, expert en détachement. Tu as la parole, Vincent. Alors, merci beaucoup, Martine. Je vais accueillir tout doucement nos invités experts pour nous expliquer les mécanismes existants sur le terrain et peut-être pouvoir répondre enfin à la question, mais finalement, quelle protection sociale pour les salariés en mobilité. J'accueille autour de cette table virtuelle, j'ai l'impression que tout le monde, oui, à peu près tout le monde est connecté. J'arrive autour de la table, alors monsieur Eric Pavy, qui est directeur général de la Caisse des Français de l'étranger, CFE. Bruno Grégoire, sous-directeur des relations européennes et internationales de l'URSSAF. Lucie Duringue, chargée de mission affaires européennes et internationales à l'Union des industries et métiers de la métallurgie, UIMM, ainsi que de Vanessa Calderoni, avocate associée chez IM Avocat, spécialiste de la mobilité internationale. Alors, bienvenue à vous quatre lors de l'occasion de cette table ronde.
Alors, monsieur Éric Pavie, bonjour. Vous allez ouvrir cette table ronde avec la question suivante. Alors, la Caisse des Français de l'étranger, CFE, beaucoup de gens, mobilité internationale, on a entendu déjà parler. Elle a été créée en 1978, pour les expatriés. Alors, la vocation, elle a à leur offrir la même protection sociale qu'en France. Hein. Pour mémoire, en 2017, elle protégeait plus de 200 000 personnes dans le monde entier. Alors, afin de permettre toutes les personnes qui suivent cette émission en direct de mieux comprendre le rôle de la CFE, pouvez-vous nous éclairer sur sa mission, son mécanisme opérationnel et finalement sur la protection qu'elle peut assurer? Vous avez 8 minutes. Merci et bonsoir à tous. Alors effectivement, la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, c'est un organisme assez original dans le paysage de la protection sociale, puisque c'est bien une caisse de sécurité sociale, comme vous l'avez dit, créée en 78, alors d'abord sous le nom de Caisse des expatriés, puis c'est devenu ensuite Caisse des Français de l'étranger. Et cette caisse de sécurité sociale a été créée spécifiquement pour répondre aux besoins des Français expatriés, avec un organisme qui leur soit dédié, et dédié à leur protection sociale à l'étranger, avec toutes ses spécificités. Alors, ce qui fait que nous relevons bien du Code de la Sécurité sociale, hein, dans le livre 7, notre organisme est placé sous la tutelle de l'État, mais pour autant, on a une certaine autonomie de gestion, puisque la CFE a son budget autofinancé pour l'essentiel par ses cotisations, avec un objectif réglementaire d'équilibre, hein, pas un objectif de dégager des bénéfices, mais d'équilibrer ses comptes, hein, et une gouvernance aussi qui est particulière, puisque nous avons donc un conseil d'administration qui est composé non pas de façon paritaire, mais essentiellement par des représentants des Français de l'étranger, élus par l'intermédiaire de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et en fait, cette composition du conseil d'administration nous permet d'être, j'irais, en prise avec la réalité de l'expatriation et les besoins des Français de l'étranger. Alors, notre mission concrètement, comme vous le disiez, c'est d'assurer la continuité de la sécurité sociale et des droits de nos adhérents, la continuité entre le régime général en France et puis la situation d'expatriation. Cette continuité, elle est volontaire, c'est-à-dire que nous sommes un organisme à adhésion volontaire. Nous proposons des prestations similaires à celles de la sécurité sociale en France, déclinées à l'étranger, et sur 3 garanties, donc la santé, qui est le risque qu'on identifie de manière la plus immédiate, mais aussi les risques professionnels qui sont souvent oubliés, mais qui sont importants, les maladies professionnelles et les accidents de travail, et puis la retraite. La retraite qui est aussi quelque chose à prévoir quand on part vivre à l'étranger en expatriation et pas en détachement, puisque vous avez donc saisi les différentes options. Alors vous le savez, le Français qui part s'installer à l'étranger, donc sur ces les risques que j'ai cités, là, peut se contenter localement du système de sécurité sociale local quand il existe, qui est plus ou moins intéressant, qui est plus ou moins complété par des conventions internationales, on a eu des échanges sur ce sujet. Le Français peut aussi souscrire à des couvertures privées, hein, il y a de nombreuses offres assurantielles, mais ces offres, eh bien, elles appliquent les règles de la concurrence et des règles de sélection, bien souvent à l'international, avec des barrières à l'adhésion, selon l'âge, selon l'état de santé, ou des primes modulées en fonction de ces paramètres. Et puis la troisième option, c'est d'opter pour la CFE pour être couvert sur ces risques avec l'application de règles de type sécurité sociale et donc de souscrire à notre organisme. Donc nos clients aujourd'hui, ce sont des particuliers qui donc souscrivent à des contrats individuels ou bien des entreprises qui couvrent donc leurs salariés donc sous forme de contrats collectifs. Tous nos clients sont en tout cas expatriés de nationalité française ou éventuellement européenne désormais, puisque depuis plusieurs années, nous offrons les mêmes services et les mêmes offres aux Européens. Et bien sûr, ce sont des Français qui vivent à l'étranger, mais qui n'ont pas opté pour le détachement. Donc, en termes de mode de fonctionnement, vous me demandiez comment on fonctionne. On fonctionne, je dirais, comme un être hybride entre une caisse d'assurance maladie d'un certain côté, puisque nous remboursons des soins en maladie, en maternité,
pour les soins en France, nos assurés bénéficient de la carte vitale, ce qui est exceptionnel puisque quand on vit à l'étranger, on n'a pas, on n'est plus au régime obligatoire, on n'a pas de carte vitale, à l'exception des retraités qui ont conservé des droits au système français. Donc, ça, aucun assureur privé ne le propose. Nous proposons ce lien et avec des niveaux de remboursement qui sont ceux de la sécurité sociale en France. À l'étranger, nous avons un barème spécifique. J'écoutais ce que disait ma collègue du ministère de la Mutuelle des Affaires étrangères tout à l'heure. Nous avons un barème de remboursement qui est modulé par grandes zones tarifaires, donc des groupes de pays qui ont des tarifs homogènes, font l'objet de remboursements du même niveau. Hein, ce qui permet d'assurer l'équivalent du niveau de remboursement de la sécurité sociale partout dans le monde. Puisque à l'étranger, vous avez des différences de coûts de la santé qui peuvent être très, très importants. Nous offrons aussi tous les autres types de prestations que sont les indemnités journalières, maladie, maternité, les pensions d'invalidité, les capitaux d'essai et l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, de ce côté-là, nous fonctionnons donc comme les caisses en France. Et puis, nous sommes en même temps une petite URSSAF sur le recouvrement de nos propres cotisations, sur ces différents risques. Et s'agissant spécifiquement de la vieillesse, nous agissons uniquement pour recouvrir les cotisations. Donc nous appelons les cotisations vieillesse et nous les reversons à la CNAV. Donc l'idée évidemment de cette couverture retraite, c'est de permettre aux Français qui partent vivre à l'étranger de continuer à cotiser pour sa retraite et de valider non seulement des trimestres, mais aussi des montants. Voilà, ce qui est important. Dans certains pays, il n'y a aucune convention internationale. Dans d'autres, il y a des conventions internationales qui permettent de valider des trimestres. Avec la CFE, on a à la fois les trimestres et le montant qui sont garantis. En revanche, donc, nous ne versons pas de retraite. Hein, c'est la branche retraite qui le fait. Nous ne versons pas d'allocation familiale, handicap, logement ou autre. Et puis, toujours en termes de mode de fonctionnement, le bénéfice de toute prestation est forcément est directement lié au paiement des cotisations. Donc, nous avons des barèmes de cotisation spécifiques pour les entreprises qui sont modulés en fonction de la taille des entreprises et des revenus des salariés, et spécifiques pour les particuliers qui, eux, vont dépendre plutôt de l'âge et de la composition de la famille. Voilà. Et puis, en termes pratiques, on fonctionne bien sûr avec des services en ligne, etc., pour répondre aux attentes de Français qui vivent à grande distance. Alors, je voudrais évoquer la population que l'on couvre. La population que l'on couvre, c'est environ, vous l'avez dit, 200 000 personnes, 50% via leur entreprise et 50% en direct. Nous sommes présents dans quasiment tous les pays, mais avec des pays bien sûr plus représentés, comme le Maroc, les États-Unis ou le Royaume-Uni, et sur les différents risques. Ce qu'on constate de manière générale, c'est une diminution depuis plusieurs années des contrats via les entreprises ex-patrimoine, et une augmentation par contre de l'individuel, c'est-à-dire des personnes qui, à titre individuel, souhaitent se couvrir à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ces tendances à celles de l'expatriation en général. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu de plus en plus de Français expatriés jusqu'en 2018, 1,8 million inscrits au consulat en 2018, et depuis une décrue régulière, marquée par le Brexit, marquée par évidemment la pandémie, et puis plus récemment par la guerre en Ukraine. Donc on a plutôt, depuis plusieurs années maintenant, une tendance à la décroissance. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y ait pas d'énormes besoins. On estime aujourd'hui qu'un quart des Français qui vivent à l'étranger, un quart n'ont pas d'assurance santé. Donc vous imaginez donc forcément besoin réel qu'il y a de les couvrir, ou alors, et certains d'entre eux ont une assurance, je dirais, de qualité médiocre, en termes de couverture, des assurances locales peu chères, mais qui couvrent peu de risques, ou risquent, je dirais, de les radier ou de leur refuser des remboursements si des maladies graves se déclarent. Tout le monde n'a pas une couverture à l'international de qualité. Donc c'est quand même une réalité difficile, et la CFE est là pour être aussi un repère en offrant des garanties de sécurité sociale. Et comme souvent, dans les pays les plus chers, donc on recommande de prendre en plus de la CFE une couverture complémentaire privée. C'est très intéressant ce que vous dites, M. Pavé, parce que vous intervenez finalement sur un marché concurrentiel, bien compris. Alors c'est un peu en partenariat, compétition avec des assureurs privés. Vous pouvez juste, en une petite minute, pour conclure, quelle est la différence avec tous ces acteurs privés? Et en quoi vous restez
une caisse de sécurité sociale? Absolument. Ben, la réponse sera à deux niveaux. D'abord, au niveau de nos couvertures, puisque nos prestations, alors le type de prestations et le niveau des prestations sont vraiment calqués sur le niveau de la sécurité sociale en France. Ce qui explique pourquoi, dans des pays moins coûteux, on a un niveau de prestation CFE seul qui est très intéressant. Dans des pays coûteux comme les États-Unis, Singapour ou autres, la CFE toute seule ne suffit pas réellement à couvrir les coûts parce que les coûts peuvent être très, très élevés. Donc, on a déjà cette déclinaison des garanties sécurité sociale à l'étranger. En France, donc, cette similitude avec la sécurité sociale, avec la carte vitale et les tarifs conventionnés. Mais surtout, je dirais plus largement, la CFE va porter les valeurs de la sécurité sociale à l'étranger. La sécurité sociale française, donc les valeurs d'universalité, de solidarité. Et ça se traduit de manière très pratique. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut adhérer. Nous acceptons des souscriptions de personnes qui ont plus de 90 ans, qui vivent à l'étranger et qui cumulent plusieurs pathologies. Pour ce type de profil, dans beaucoup de pays, vous ne trouvez aucun assureur privé qui va accepter une primo-souscription de ces personnes. Donc, on a ce rôle social aussi de couvrir des risques lourds, sans questionnaire médical, sans barrière d'âge, sans modulation de prime ou de cotisation en fonction du risque, et sans exclusion en cas de guerre, en cas de pandémie. Et je dirais que sur ces deux thèmes, l'actualité récente montre que c'est intéressant. Donc, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que vraiment la CFE porte dans la protection sociale internationale tout l'ADN de la sécurité sociale, et c'est ce qui peut faire notre force et qui alimente aussi notre partenariat avec tous les acteurs privés qui viennent aussi compléter nos offres pour les Français de l'étranger. Monsieur Pavy, je vous remercie pour ces explications extrêmement claires. Et c'est très intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière le petit écran, qui ne sont pas forcément au courant comment ça fonctionne, qui ont appris énormément de choses. Je vais maintenant peut-être passer la parole aux personnes qui sont amenées au quotidien à travailler sur les dossiers liés à la protection sociale. Alors, je vais me tourner sur l'ensemble de la table ronde et je vais me proposer de donner la parole à Lucille Luring pour l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Lucille, je vous laisse présenter l'UIMM et reviendrai tout à l'heure vers vous pour vous aussi, vous aurez le droit à votre petite question. Je vous laisse la parole, Lucille. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, effectivement, l'UIMM représente les intérêts des entreprises de la métallurgie. On représente les intérêts d'environ 42 000 entreprises du secteur. Donc la métallurgie, c'est des secteurs divers et variés, comme l'automobile, l'aéronautique, la fabrication de machines, de petits électroménagers, de gros électroménagers, etc. Parmi nos adhérents, nous représentons, les adhérents principalement sont des petites et moyennes entreprises. 90% de nos adhérents sont des entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de la métallurgie sont des entreprises tournées vers l'international, puisque ce sont des entreprises exportatrices. Donc, de fait, elles ont l'habitude d'envoyer des salariés à l'étranger, et ce, de manière fréquente. Les déplacements effectués par nos adhérents sont de diverses natures. Par exemple, vous avez une entreprise qui a fabriqué une machine et qui la vend à un client à l'étranger. Elle va avoir besoin d'envoyer un salarié, ou plusieurs d'ailleurs, pour installer cette machine chez son client. Et puis ensuite, pour en assurer la maintenance, elle devra aussi envoyer régulièrement des salariés chez ce client. Vous avez aussi les entreprises qui appartiennent à des groupes internationaux, qui là ont également besoin d'envoyer des salariés à l'étranger, mais là les motivations sont un peu différentes. Ça peut être par exemple pour participer à une réunion interne, à une formation, à un séminaire, ou encore travailler sur des projets, sur un projet commun. Ces mobilités, elles sont de durée plus ou moins longue, mais dans la plupart des cas, les questions qui nous sont soumises, nous, ici à l'UMM, ça concerne principalement des mobilités de courte durée. Pour les mobilités de plus longue durée et de surcroît en dehors de l'Union européenne, les entreprises sont dans l'anticipation et elles comprennent qu'elles vont sans doute devoir faire appel à un conseil extérieur pour les accompagner, puisque envoyer un salarié sur une longue durée dans un pays étranger, ça soulève de nombreuses questions dans de nombreuses matières, et souvent nos adhérents, surtout les plus petits, ne sont pas outillés pour pouvoir répondre à toutes les questions.
Mais le gros des mobilités auxquelles nous sommes confrontés, ce sont principalement des mobilités de courte durée et au sein de l'Union européenne. Et la plupart des entreprises, surtout les plus petites, n'ont pas toujours conscience du fait qu'elles ont des formalités à accomplir. C'est d'autant plus vrai au sein de l'Union européenne que les citoyens européens circulent librement au sein de l'Union européenne et qu'ils n'ont pas besoin de, il n'y a pas de formalité d'immigration à accomplir. Et donc, les entreprises ne se rendent pas toujours compte qu'elles ont des formalités à accomplir en droit du travail en application des règles relatives au détachement. Donc là, je fais référence aux directives européennes sur le détachement qui ont été transposées dans les États membres de façon diverse et variée, ce qui implique l'obligation, dans la plupart des cas, de devoir effectuer une déclaration de détachement. Et puis, en parallèle, vous avez l'obligation de faire des formalités en sécurité sociale. Donc, au sein de l'Union européenne, vous devez demander un certificat A1 pour maintenir votre salarié au régime français de sécurité sociale. Tout ça entraîne quand même beaucoup de complexité pour les petites entreprises, des coûts supplémentaires, puisqu'il y a des formalités à accomplir, donc ça nécessite des ressources, du temps. Et donc, c'est compliqué pour elles de s'y conformer. Oui, je suis de retour à l'antenne. Merci Lucie, je me permets d'intervenir parce que par rapport à ce que vous venez de dire, notamment les mobilités de courte durée, au vu de ce constat, quelles mesures concrètes pourraient être prévues dans le cadre de la révision des règlements européens de coordination des régimes de sécurité sociale? Alors, thème de la première table ronde, j'ose revenir un tout petit peu en arrière, mais c'est quand même très intéressant parce que c'est quand même extrêmement relié par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, quelles mesures concrètes pour faciliter la vie de ces petites entreprises sur cette thématique? Alors, c'est vrai que la révision des règlements européens, ça pourrait être c'est même une bonne opportunité de simplifier la vie des entreprises. À l'heure actuelle, comme vous le savez sans doute, les règlements européens de coordination des régimes de sécurité sociale permettent de détacher et donc de maintenir un salarié pendant 24 mois au régime de sécurité sociale de son pays d'origine. Donc ça, c'est très très bien et très utile pour nos adhérents. Toutefois, le problème qui se pose, c'est que quelle que soit la durée du déplacement, que vous envoyez un salarié une heure en Belgique pour assister à une réunion ou alors qu'il parte plusieurs mois, vous devez forcément demander un formulaire A1. Donc tout ça, c'est quand même, pour des petites entreprises, c'est quand même pas toujours évident. Surtout que parfois, les salariés sont envoyés un peu en urgence. Par exemple, si je reprends l'exemple de la maintenance, si vous avez une entreprise qui a vendu une machine à un client, que la machine tombe en panne, vous devez envoyer en urgence un salarié pour la réparer. Ben, dans une petite entreprise, le chef d'entreprise, il va penser à envoyer son salarié, mais il va pas forcément se dire « Ah tiens, il faut que je pense à demander un formulaire A1 avant que mon salarié parte. » Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pas forcément évident pour nos adhérents. Donc je note toutefois que l'administration française a fait un effort de simplification en mettant en place la plateforme ILAS qui permet d'obtenir facilement des certificats A1. On n'a pas de retour négatif. Enfin, on a eu quelques entreprises qui ont eu des petits soucis, mais rien de bien grave. Donc du coup, ça, c'est vrai que c'est quand même une bonne solution pour nos adhérents. Et c'est vrai que pour en revenir à la révision des règlements, apparemment le problème a bien été identifié lors des discussions sur la révision. Et c'est vrai que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans le cadre de cette révision, soit mise en place une exemption de l'obligation de notification préalable du détachement pour certains déplacements de courte durée. Donc il faudrait fixer un seuil limite de jours en dessous duquel il ne serait pas nécessaire de demander un certificat de détachement. Alors c'est vrai qu'au cours des discussions, il a été évoqué la possibilité d'exempter les voyages d'affaires, mais on considère que cette notion n'est pas toujours évidente à définir. Elle a des contours assez flous et c'est vrai que ça bien sûr, ça aiderait nos adhérents, mais
elle devrait toujours se poser la question avant d'envoyer un salarié en déplacement au sein de l'Union européenne, est-ce que je suis bien dans un voyage d'affaires ou non ? Donc, c'est vrai que la solution qui nous semble la plus simple, c'est de fixer un plafond en dessous duquel il serait plus nécessaire de faire une demande de formulaire A1. Ça éviterait aux entreprises de devoir se poser la question de savoir ce qu'elles doivent faire. Et c'est vrai que ces détachements de courte durée ne sont pas forcément ceux qui posent problème, sur lesquels il y a de la fraude. Et ce qu'on observe quand même en pratique, c'est que plus une règle est simple et claire, plus elle est respectée. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'envoi de salariés à l'étranger. De notre côté. Merci. C'est très intéressant de voir effectivement sur le terrain, notamment sur la métallurgie, comment ça se passe. Le témoignage est quand même très intéressant. Vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure, hélas. Ça me permet de rebondir parce que ça va être le moment peut-être d'interroger sur l'action d'une autre autorité, l'administration française en matière de protection sociale. C'est l'URSSAF. On va accueillir sur cette table Monsieur Bruno Grégoire. Alors, on comprend de tout ce qui a été précédemment a été dit que la France a des dispositions en matière de sécurité sociale, selon qu'ils travaillent dans tel ou tel État membre, longue, courte durée. Les salariés peuvent, sous certaines conditions, rester affiliés à la sécurité sociale de leur pays d'origine grâce au dispositif de détachement d'activité. Alors, depuis le 1er janvier 2022, la mobilité des travailleurs salariés est gérée par l'URSSAF via le service Mobilité Internationale. Plus particulièrement avec la mise en place d'un nouveau service, le fameux ILAS, qui est instruction de la législation applicable à la sécurité sociale. Alors, ce nouveau service, si j'ai bien compris, permet d'automatiser l'instruction et la délivrance de certains certificats. Et ce sont des certificats qui sont nécessaires pour assurer la protection sociale de ce public en mobilité. Elle a évoqué à l'instant, Lucille. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ces nouveautés, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Merci, David. Alors, excusez-moi pour l'image. Ce n'est pas que l'URSSAF se cache, mais je me trouve en déplacement justement à l'étranger et j'ai des problèmes de connexion. Donc, vous n'aurez que le son et pas l'image. Voilà. Donc, effectivement, depuis 1er janvier 2002, l'URSSAF gère les demandes de mobilité de l'ensemble des certificats et non pas de certains certificats. Puisque, suite à la réorganisation administrative qui a été évoquée à plusieurs reprises, le souhait des pouvoirs publics, c'était justement de simplifier l'organisation, à la fois pour les entreprises, pour sécuriser les parcours des salariés, et également pour mieux coopérer avec les États, les institutions étrangères de sécurité sociale, puisque comme vous le savez, dès lors qu'il y a un détachement ou une situation de pluriactivité, les institutions françaises doivent communiquer des informations et partager des données avec les institutions étrangères de sécurité sociale et vice-versa. Donc c'est surtout le cas dans les situations de pluriactivité, mais pas seulement, puisque dès lors qu'une entreprise fait une demande de détachement, donc c'est-à-dire l'exercice, l'envoi d'un salarié, d'un travailleur pour une situation à durée déterminée en mission à l'étranger au sein de l'Union européenne, nous faisons en parallèle, via l'échange électronique d'informations de sécurité sociale, une notification de détachement auprès de l'autre institution étrangère de sécurité sociale. Donc voilà, c'est un peu le contexte de réorganisation et de simplification qui nous a permis effectivement d'offrir aux entreprises le système ILAS. Alors qu'est-ce que c'est qu'ILAS ? C'est l'instruction de la législation applicable de sécurité sociale. Donc, qui permet à la fois aux entreprises de faire des demandes de certificats de détachement pour l'Union européenne, donc exercice d'une mission temporaire jusqu'à 24 mois, faire une demande de pluriactivité, donc ça c'est pour des salariés qui vont travailler dans au moins deux États membres de manière simultanée ou alternée, donc ils vont faire des allers-retours entre la France et ou un autre ou plusieurs pays de l'Union européenne, mais également faire des demandes de certificats relatifs aux conventions bilatérales de sécurité sociale, donc les fameuses conventions bilatérales qui concernent les États hors Union européenne, Espace économique européen et Suisse, et qui permettent d'obtenir des certificats en ligne suite à une déclaration 100% digitale. Alors j'entendais effectivement que c'est pas toujours évident, mais en même temps, effectivement, le service a considérablement évolué. Aujourd'hui, une entreprise qui a l'habitude de faire une demande de certificat de détachement 100% en ligne,
ça lui prend une minute. Alors, pour les situations un peu plus complexes, c'est différent, ça peut prendre 3-4 minutes. Mais aujourd'hui, ça va très vite. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est dès que vous faites une demande de certificat, que ce soit du A1 ou une convention bilatérale ou encore un maintien à la législation française de sécurité sociale, si toutes les conditions sont réunies, que vous répondez correctement aux questions et que la situation est relativement classique, vous obtiendrez de manière automatique le certificat de détachement que vous n'aurez plus qu'à télécharger. Voilà. Donc l'autre avantage, donc, c'est obtention automatique et également le fait que le certificat de détachement est sécurisé, c'est-à-dire qu'il comporte un numéro systématiquement, un QR code et que vous pouvez vérifier systématiquement l'authenticité du certificat de détachement. Donc c'est à la fois sécurisant pour l'entreprise, pour le salarié, mais également pour les institutions de sécurité sociale étrangères en cas de contrôle qui peuvent vérifier tout de suite s'il s'agit d'un véritable certificat de détachement. Voilà, donc parfois vous avez également une prise en charge par les gestionnaires de la mobilité internationale de situations qui demandent un examen approfondi, hein, alors notamment pour les situations de pluriactivité, parfois pour certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, mais l'idée c'est d'aller le plus vite possible et d'avoir aussi une vision globale de l'état de la mobilité internationale des travailleurs du régime général, parce qu'on parle beaucoup des salariés, mais on a aussi des situations de travailleurs indépendants ou de salariés qui cumulent des activités de travailleurs indépendants et vice-versa. Donc, dans ces cas-là, la détermination de la législation applicable est très importante. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le service, effectivement, il a pour objet d'inciter les entreprises à effectuer les demandes de certificats au préalable du démarrage de la mission à l'étranger. Alors, bien entendu, en cas d'urgence, l'URSSAF est très compréhensive, hein, il n'y a aucun souci. Il y a toujours cette notion d'urgence pour laquelle, de toute façon, l'URSSAF accompagnera les entreprises. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce soit pour une durée d'une journée, d'une heure, comme vous le dites, moi, ça m'arrive aussi de me déplacer régulièrement à l'étranger pour peu de temps. L'avantage c'est d'avoir un certificat, c'est qu'en cas d'accident de travail, tout simplement, hein, vous glissez dans la rue, en vous rendant à une réunion à l'étranger, bah, c'est quand même mieux d'avoir un certificat de détachement au cours de la mission que 3 mois après. Voilà, donc ceci dit, il y a toujours des solutions, mais voilà. Par ailleurs, je précise, hein, effectivement, la législation européenne telle qu'elle est n'oblige pas les entreprises à faire une demande de certificat de détachement au préalable de la mission. Donc, encore une souplesse. Mais pensez toujours à la sécurisation du parcours de votre salarié que vous envoyez à l'étranger. Voilà. Pour résumer, depuis le mois de janvier, entre janvier et fin avril, nous avons reçu 77 510 demandes. Alors, pour votre culture, 48 871 demandes de détachement concernant l'Union européenne, 9 957 demandes de pluriactivité au sein de l'Union européenne, 9 791 demandes de détachement bilatéral et 6 481 demandes de maintien à la sécurité sociale. Donc, ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que l'obtention automatique des certificats en moyenne est de 80%. Voilà, donc augmentation considérable et amélioration considérable du service aux entreprises. Simplification, bien entendu, et également centralisation. Auparavant, c'était plus différentes CEPAM du territoire qui s'occupaient d'émettre des certificats de détachement, d'un côté. De l'autre, le CLES gérait les situations de demande de dérogation lorsque vous allez rallonger la durée du détachement, par exemple, à 24 mois. Et enfin, c'était l'URSSAF qui contrôlait les situations de salariés en situation de détachement sur le territoire français ou à la demande des institutions étrangères pour connaître la situation des personnes. Donc, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche de simplification et à partir du 1er juillet de cette année, l'URSSAF traitera l'ensemble des articles 11 à 16, dont les dérogations à la place du CLES. Toutes les dérogations, c'est ça, pour les dérogations qu'on donne. Pour voilà. La délivrance. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites.
Je vous remercie, Monsieur Grégoire, pour votre témoignage. Ça va nous permettre de rebondir pour laisser la parole maintenant à une opérationnelle, Vanessa Calderoni, avocate. Bah, finalement, déjà pour clore cette table ronde, et puis bah, en lui posant la question suivante, qui va plutôt logiquement avec ce qu'on vient d'entendre, sur le terrain, la réglementation s'applique-t-elle facilement? Alors, est-ce qu'il existe des axes d'amélioration ou alors des desiderata de la part des entreprises professionnelles de la mobilité comme vous, ou même de la part finalement des assurés eux-mêmes, qui vous travaillez, pour être sûr de bénéficier d'une protection sociale pendant toute leur période de mobilité. Vanessa Calderoni, vous avez la parole. Ah, il faut qu'elle active son micro, Vanessa, s'il vous plaît, elle ne vous entend pas. Non, toujours pas. Petit problème de micro. Non, on n'entend pas, on ne vous entend pas. On n'a plus de son de la part de Vanessa. Peut-être actualiser la page. Oui, on revient sur Vanessa dans quelques instants pour actualiser, le temps qu'elle actualise peut-être sa page pour avoir le son. C'était pour la fin, parce que c'est vrai que du coup, l'intervention est intéressante de Vanessa pour rebondir, et comme Lucie l'a fait précédemment, sur toutes les nouveautés qui sont mises en place. On se rend compte finalement à l'occasion de tous ces débats, ou en tout cas des explications, qu'il y a quand même un effort qui est fait pour simplifier, pour digitaliser aussi, pour rendre les choses plus faciles. On sort peut-être un peu du papier, on fait des choses beaucoup plus de façon plus simple via Internet. Et puis on me dit que Vanessa est de retour. Est-ce qu'on vous entend, Vanessa? Je ne sais pas, j'essaye. Si je vous entends, c'est à vous. Je vous entends, Vanessa. Je vous laisse la parole. Je suis sincèrement désolée. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci Vincent et merci à tous les intervenants pour cet échange qui est extrêmement riche. Moi, mon objectif, c'est effectivement d'essayer d'illustrer un petit peu avec des applications concrètes, en fait, de la mise en œuvre de la réglementation, hein, puisque c'est effectivement la question que vous m'avez posée, Vincent. Donc, sur le terrain, en pratique, qu'est-ce qu'on constate? Et ça fait un peu la synthèse de ce qui a été dit précédemment. On constate qu'effectivement, il y a bien des réglementations qui sont existantes, mais que d'abord, ces réglementations, elles peuvent prêter à confusion. Pourquoi? Parce que, alors moi je suis une professionnelle de la mobilité, ça fait 20 ans que je fais de la mobilité, je ne fais que ça, c'est mon quotidien. Par contre, une entreprise qui se lance dans la mobilité, elle entend parler d'une directive détachement, elle entend parler d'un certificat de détachement, ce sont deux notions différentes, ça ne recoupe pas les mêmes choses, il faut faire les deux, il faut en faire un seul. Ça, c'est extrêmement confusant. Je crois qu'effectivement, dans la table ronde numéro 1, ça avait été un peu évoqué par Ismaël précédemment, de dire attention peut-être effectivement à simplifier les choses et notamment la terminologie et peut-être à avoir des définitions qui sont des définitions qui se rassemblent à défaut de se ressembler complètement parce que ça peut aussi simplifier la mise en œuvre pratique en fait de ce dispositif. Ce qu'on constate aussi, c'est que quelquefois la difficulté qu'on a quand on met en œuvre pratiquement les sujets, on a effectivement une réglementation mais qui peut être interprétée et donc appliquée de façon différente selon les pays. Moi, je suis quand même toujours très intéressée par effectivement, par exemple, tout au début, quand on a commencé à appliquer le règlement européen, les questions qu'on se posait, c'était finalement ce règlement européen qui prévoit le détachement. Est-ce qu'il dit que le détachement est obligatoire à partir du moment où je remplis les conditions, ou est-ce qu'il dit que le détachement est facultatif et donc je dois faire une demande de certificat de détachement, puisque si je fais une demande, par nature, c'est que c'est pas le principe. Et ben là, on a expérimenté hein, dans notre pratique de professionnel des positions extrêmement différentes des États sur ce sujet-là. Et ça aussi, c'est nous dans notre pratique et par rapport aux différentes entreprises qui sont confrontées au quotidien à la mobilité, quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Un autre point aussi peut-être sur la réglementation qui, comme on l'a dit, est existante et qui évolue, puisque tout le monde est soucieux de faire évoluer cette réglementation parce qu'on se rend compte qu'on a effectivement une activité professionnelle de l'entreprise qui évolue, des modes de travail qui changent et que c'est important de faire évoluer les choses. Néanmoins, on a quand même une réglementation qui n'est pas toujours adaptée à la situation opérationnelle de nos clients.
Ça a été évoqué précédemment hein, par Lucie de l'UIMM et c'est extrêmement clair. Elle a des difficultés avec ses adhérents pour la mise en œuvre opérationnelle. Hein. C'est compliqué de dire à chaque fois que j'ai quelqu'un qui s'en va à l'international, il faut absolument que j'ai fait certificat de détachement. Je ne sais pas toujours qui s'en va. Quelquefois, il part dans l'urgence. Je suis informée après. Comment je le gère? Donc ça, c'est compliqué. Et puis de l'autre côté, on peut avoir aussi des entreprises qui, à la différence, sont aussi des très grosses entreprises et qui ont des volumes énormes en fait de salariés pour lesquels au quotidien, je dis bien au quotidien, je dois faire des certificats de détachement pour gérer une réunion par-ci d'une journée, une réunion par-là de 3 heures. Et juste en termes de gestion quotidienne pour eux, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Alors, pourquoi c'est complexe? Parce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise en fait un système d'abord de tracking, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut arriver à identifier tous ces gens qui bougent. Il y a des métiers pour lesquels c'est évident, il y a des métiers qui ne sont pas traqués aujourd'hui et qu'il va falloir traquer. Et puis, effectivement, il faut pouvoir identifier des personnes en interne qui vont faire le travail de faire ces certificats de détachement. Et quand on gère des gros volumes, la difficulté, c'est d'avoir quelqu'un qui soit identifié pour faire ça, parce que ça représente énormément de travail. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus, notamment sur les gros volumes? Parce que dans le passé, avec les caisses primaires d'assurance maladie qui géraient ces situations de détachement, on avait des dispositifs un peu d'exception et un petit peu particuliers qui n'existent plus aujourd'hui avec la mise en place de la plateforme ILAS et le transfert de compétences auprès de l'URSSAF. Néanmoins, moi, je suis, comme je témoigne de la même façon que ce qu'a fait Lucille précédemment, c'est-à-dire que je suis extrêmement agréablement surprise de cette plateforme ILAS, du travail qu'a fait l'URSSAF sur ce sujet-là, de la rapidité avec laquelle effectivement on arrive à avoir des certificats de détachement, mais malgré tout, ça ne résout pas tout. Quand on a des sociétés qui ont chaque jour 150 personnes qui bougent, on a beau dire que c'est une minute par certificat, voilà, quand on met tout bout à bout, c'est quand même extrêmement difficile à gérer. Donc moi, je partage aussi le point de vue de Lucie en disant il serait bien de réfléchir à des exceptions potentielles sur soit un nombre de jours assez court, soit sur un motif de mission spécifique, comme Lucie l'a évoqué sur le voyage d'affaires, peu importe, mais en tout cas, de réfléchir à proposer des solutions sur ces sujets-là pour que les entreprises puissent s'en sortir, parce que c'est vraiment très compliqué. En pratique, ce qu'on constate aussi, par contre, et ça c'est plutôt franco-français, c'est des difficultés de mise en œuvre de la réglementation. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des sujets qui sont extrêmement complexes, et on a souvent ce sujet-là avec le conjoint. Je vais essayer d'illustrer très simplement. En fait, on a des dossiers où, effectivement, par exemple, on a quelqu'un qui part en expatriation dans un pays qui va être couvert par la CFE. Et effectivement, la CFE est quelque chose qui est magnifique. Ça assure une continuité pour la personne qui travaille. C'est-à-dire que cette personne qui travaille, quand elle revient, eh ben, le retour et la réintégration dans le système de sécurité sociale français est relativement facile. Par contre, pour son conjoint, c'est moins évident. On refait une demande d'ouverture de droit, on examine, on dépose le dossier, les caisses primaires d'assurance maladie mettent du temps à traiter et c'est compliqué. Honnêtement, c'est laborieux. Et on peut se retrouver, quand on a des salariés qui ont l'habitude de bouger, avec quelqu'un qui repart à l'international dans les 2 ou 3 mois qui suivent et pour lequel il va partir par exemple en Europe. Je vais effectivement faire une demande de détachement pour son conjoint qui travaille, pour la personne qui travaille. Le problème que je vais avoir, c'est que le conjoint pour lequel le dossier n'est pas encore réactivé correctement auprès de la CPAM, eh ben, lui va avoir des problèmes. Et on se retrouve régulièrement avec des radiations, alors qu'on a dans la réglementation française et dans le code de la sécurité sociale un dispositif qui s'applique à ces cas-là. Mais ce sont des sujets complexes et peut-être il y a un manque de formation en fait, des agents qui traitent ces dossiers-là. Ou alors peut-être il faudrait réfléchir à avoir une cellule centrale qui puisse effectivement traiter ces sujets particuliers. Comme on a la cellule mobilité au sein des URSSAF, peut-être ce serait bien d'avoir quelque chose au sein de la CPAM qui traite ces problématiques de mobilité internationale qui aujourd'hui en fait sont dispersées sur les différentes caisses. On peut avoir aussi, et ça c'est une vraie grosse problématique qu'on a en France, des difficultés d'application de la réglementation qui sont liées au temps de traitement des dossiers en France, qui fait que même si on a des salariés qui ont droit à de la protection sociale, on n'arrive pas à mettre en œuvre cette protection sociale. Je m'explique. Quand on a des salariés qui ont été à l'étranger et qui reviennent en France, le temps de réouvrir les droits, le temps de réouvrir les dossiers, c'est extrêmement long. Encore une fois, parce que les délais de traitement de ces dossiers-là sont trop longs. Et du coup, on se retrouve avec des salariés qui ont des droits réels en France,
mais qu'on ne peut pas activer, et avec des mutuelles qui derrière ne viennent pas non plus tant qu'effectivement la partie CPM n'est pas réglée. Donc ça, c'est une vraie difficulté au quotidien. On se retrouve quand même avec des sociétés aujourd'hui qui sont obligées de pallier cette situation en disant, bah moi, si j'ai un expat qui est parti et qui va revenir, je vais maintenir en fait la mutuelle pendant qu'il va être en France, le temps que le dossier CPM soit réactivé. Et moi, quand j'entends ça, alors qu'on a tout ce qu'il faut en termes de réglementation française, je trouve que ce n'est pas normal. C'est pareil quand on a des étrangers qui viennent s'installer en France, le temps de créer leur numéro de sécurité sociale et le temps de faire activer leurs droits, c'est extrêmement long. Quand je vous dis extrêmement long, pour illustrer, on peut être quand même sur des délais qui sont, en moyenne, on a des délais qui sont entre 4 et 6 mois, on peut arriver jusqu'à des délais de 12 à 18 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que la personne, s'il lui arrive quelque chose de grave dans l'intervalle, il sera remboursé, mais bien après, il va faire l'avance des frais. Et ça, ce n'est pas normal, puisqu'on sait qu'ils sont couverts, ces gens-là. Et puis, il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il serait bien aussi qu'en France, on fasse un petit peu d'effort, justement, parce qu'on parle de mobilité, sur l'ouverture en termes de langage, notamment, aux autres nationalités. C'est très compliqué pour quelqu'un qui arrive en France de comprendre le français, évidemment, c'est normal, mais ce serait bien qu'on puisse effectivement prévoir de la documentation en anglais, prévoir des points d'accueil pour eux, où on ait des gens qui parlent anglais quand ils viennent déposer leur dossier, parce que ça aussi, c'est une vraie difficulté pour faire valoir leurs droits à protection sociale. Alors là, on voit bien, merci Vanessa pour votre témoignage, parce que là, on est vraiment sur le terrain de la protection des salariés, sur la réalité de terrain. Je vais revenir à la table ronde en général, parce que du coup, peut-être qu'il y a des gens qui veulent réagir, on va brancher le micro. Puis j'ai une petite question qui nous est parvenue du public sur la CFE. On me demande, est-ce que la famille peut prétendre à la CFE, notamment le conjoint qui serait de nationalité d'issue d'un pays tiers non ressortissant de l'Union européenne ? Est-ce que les membres de la famille peuvent prétendre en fonction de sa nationalité ? Question de Siam Akouche. Oui, si quelqu'un veut alors, je peux la prendre si vous voulez. Mm-hmm. Vous m'entendez ? C'est bon ? Voilà, donc je disais, effectivement, c'est une bonne question parce que la règle générale de la CFE, c'est la nationalité française. Du fait, justement, de la réglementation européenne, c'est maintenant la nationalité européenne, espace économique européen ou suisse. En réalité, nous prenons également, donc dans le cadre d'une famille, l'ensemble de la famille, donc y compris le conjoint ou la conjointe, qui n'est pas de nationalité européenne. Donc, on a ce cas donc forcément très fréquemment avec des personnes expatriées, où nous couvrons l'ensemble de la famille, et on va même d'ailleurs par exception, si le client français décède et a donc un conjoint survivant de nationalité extra-européenne, on va conserver la couverture pour cette personne et ses enfants. Donc, effectivement, ça n'est pas un frein, de même que pour des contrats collectifs d'entreprise. On va pouvoir aussi couvrir des salariés extra-européens lorsque on en a quelques-uns au sein d'une entreprise majoritairement européenne. Donc il y a des petites souplesses comme ça par rapport à notre cadre réglementaire. Je vous remercie. Je vous remercie à tous les participants. Je suis désolé, hélas, on pourrait continuer pendant des heures à avoir des échanges. On est un petit peu tenu par le temps, comme vous avez pu le voir. Je vais être obligé de conclure cette table ronde, malheureusement. Alors, on sait bien tous, hein, ici autour de la table, que tous les spectateurs dans leur écran qui sont en train de nous regarder, c'est quand même assez difficile de traiter de l'ensemble des mécanismes existants en matière de protection sociale en seulement 2 heures, on le sait. On a quand même eu un aperçu de l'existant et des problèmes ou points de blocage, ou quelques points de blocage, qui existent actuellement encore. Mais finalement, on est quand même forcé de constater que la matière est vraiment en constante évolution. C'est plutôt une excellente chose. Je laisse la parole à Martine. Merci Vincent. Effectivement, notre émission touche doucement à sa fin et il est temps d'accueillir maintenant notre second grand témoin qui aura la tâche de conclure cette émission. Je veux parler de Franck Morel, avocat associé chez Flichy Granger, ancien conseiller social au cabinet du Premier ministre. Monsieur Morel, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous. Les débats étaient effectivement extrêmement riches et vous l'avez souligné d'ailleurs, c'est une gageure mais qui a été réunie avec succès hein, de traiter l'ensemble des dimensions de la question en un laps de temps aussi court. Alors, je vais essayer en guise de conclusion de mettre le projecteur sur un certain nombre d'enjeux
qui me paraissent se poser sur les sujets qui ont été évoqués à l'instant. Il y a deux grandes familles de sujets que je voudrais aborder et qui permettent de dégager ces enjeux. D'abord, il y a tout ce qui a trait, dans un premier temps, aux différentes notions qui sous-tendent la question de la protection sociale lorsqu'on est en situation de mobilité et aux différents débats qui peuvent avoir lieu entre ces différentes notions. J'y reviendrai. Et puis ensuite, en deuxième lieu, il y a la mutation des formes que prend l'activité, des formes que prend le travail et la capacité des systèmes de protection sociale et des règles applicables au système de protection sociale dans un contexte de mobilité à l'étranger, de prendre en considération ces formes mouvantes de l'activité et du travail. Alors, premier coup de projecteur sur les débats. On a plein de, je dirais, de mots qui ont été employés qui permettent de mettre l'accent sur ces différents débats. On a le mot « simplicité » qui a été souvent utilisé pour mettre l'accent sur le fait, souvent d'ailleurs quand il s'agissait d'une mobilité où c'est un travailleur français qui se rend à l'étranger, donc pour effectivement mettre l'accent sur la complexité d'un certain nombre de formalités à remplir, notamment lorsque les mobilités sont courtes. Et puis, on a certains mots qui n'ont pas été abordés et que moi je voudrais aborder, et deux d'entre eux me paraissent importants, deux expressions me paraissent importantes parce qu'elles sous-tendent un certain nombre des débats qui traversent la question de la protection sociale dans un contexte de mobilité. C'est d'abord la question de la liberté de circulation et puis la question du dumping social. Et on le voit, alors ça a été abordé tout à l'heure à travers l'intervention de la personne de la CES tout à l'heure quand elle évoquait la question des règlements européens et des négociations autour des règlements européens, ou du tout premier intervenant qui parlait de la question du détachement et des règles, je dirais, difficiles à faire bouger dans un certain nombre de cas sur la question de la protection sociale applicable en matière de détachement. Mais on voit bien qu'on peut avoir un débat selon qu'on se situe du point de vue du Français qui part à l'étranger ou selon qu'on se situe du point de vue du travailleur étranger qui vient travailler en France. Je ne vais pas employer l'expression de plombier polonais, mais c'était un peu ce terme qui était utilisé lorsque, je dirais, ces débats avaient atteint leur paroxysme. Hein, au moment, on a tous en mémoire les débats autour du référendum de 2005 hein, sur le traité constitutionnel européen, hein, où cette question du plombier polonais avait défrayé la chronique. Mais on voit bien qu'un des enjeux qui se pose à nous, c'est notre capacité à concilier de la manière la plus efficiente possible dans les années à venir, cette question d'une part de la lutte contre le dumping social, d'autre part de la possibilité de donner corps véritablement à cette liberté de prestation de services dans l'espace européen, et puis d'autre part gager la simplicité, de rechercher la simplicité. Alors où se situe la ligne de partage? Parce que tout ça ne fait pas toujours bon ménage, et comment est-ce qu'on trouve les bons compromis? Et on le voit, ce n'est pas évident. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, j'ai eu à connaître, quand j'étais conseiller d'Édouard Philippe à Matignon, les difficultés de négociation au niveau européen concernant les questions de l'assurance chômage des frontaliers. C'est un sujet dont l'enjeu financier est énorme, puisque je crois que c'est à peu près 900 millions d'euros par an, à peu près. Hein. L'assurance chômage des frontaliers, le principe, c'est quoi? Ça a été rappelé tout à l'heure par l'un des intervenants. Vous avez des travailleurs qui habitent d'un côté de la frontière et puis qui vont travailler régulièrement de l'autre côté de la frontière. Et s'ils habitent en France et qu'ils travaillent de l'autre côté de la frontière, ils vont bénéficier, lorsqu'ils sont au chômage, de l'indemnisation par l'assurance chômage française. Et il y a une somme qui est versée par le pays, l'autre pays, le pays du lieu d'exécution du travail, pour compenser ce surcoût lié au fait que les cotisations ne sont pas versées puisque cette personne travaille de l'autre côté de la frontière. Donc il y a effectivement des questions redoutables puisqu'on est dans un différentiel de coûts assez important et est venue sur la table la possibilité d'appliquer des règles différentes, à savoir de faire en sorte que ces personnes soient indemnisées par l'assurance chômage du pays où ils travaillent et non de la France, dans le cas, ou de l'autre pays dans l'autre sens. Avec des difficultés, des pays qui avaient un déséquilibre flagrant, on pense au Luxembourg ou on pense à la Suisse, et on n'est pas au bout du processus en la matière. Donc on voit bien que cette question est extrêmement compliquée. Sur le dumping social, autre exemple,
c'est cette question du détachement, du plombier polonais, donc, hein, du détachement en prestation de service qui a été évoqué tout à l'heure, avec une différence énorme entre les progrès qui ont pu être faits en matière de droit du travail, avec une révision encore récente des directives applicables, de la directive applicable de 1996 sur les règles de droit du travail, avec un principe d'égalité de traitement, enfin avec toute une série de progrès qui ont pu être accomplis, et puis des difficultés persistantes, en revanche, en matière de protection sociale. Comment fait-on ? Est-ce que, pour autant, il serait plus simple que la règle soit changée en matière de détachement, avec par exemple le fait que ça soit les règles de protection sociale non pas du pays d'origine, mais du pays, du lieu d'exécution du travail qui s'applique. On voit bien que tout ça serait beaucoup plus compliqué. Et pour le coup, on parlait de simplicité tout à l'heure, on ne serait sans doute pas dans cette question de la simplicité. Donc comment est-ce qu'on trouve le bon compromis entre le fait de garder sa simplicité et puis d'éviter ce dumping social ? On n'a pas encore la réponse. Moi, j'avais mis sur la table une proposition qui était celle consistant à demander une contribution représentative du différentiel de coût entre le pays d'accueil et le pays d'origine, contribution dont les recettes auraient pu être affectées pour éviter justement un côté entrave à la libre circulation au fonds structurel européen, par exemple, c'est-à-dire que ces contributions seraient revenues d'une certaine manière au pays d'où partent ces travailleurs, la plupart du temps, dans une logique d'élévation des standards. Voilà. On n'est pas encore au bout du chemin, parce qu'on voit bien que ça soulève de redoutables questions sur la liberté de circulation. Et donc, c'est aussi ça, où se situe le curseur entre la liberté de circulation d'un côté, la liberté de prestation de services de l'autre, et puis le fait d'assurer des garanties sociales de qualité, un haut niveau de garantie sociale. Ensuite, on a toute une série. Alors, je passe aussi sur la question du formulaire A1 qui a été évoqué à plusieurs reprises, hein, et sur les difficultés de contrôle qui renvoient aux règles applicables, alors à l'évolution, je dirais, à la révision qui est en cours, hein, sur le sujet, mais qui ne couvrirait pas tout vraisemblablement, puisqu'on aurait toujours une difficulté apparemment sur les situations où le formulaire n'a pas été donné dès l'origine, et donc sur la période de temps qui serait couverte par la situation. Deuxième grande famille de sujets sur lesquels je voudrais mettre un coup de projecteur, c'est la question des mutations de formes de travail. Alors, les mutations des formes de travail, on a parlé tout à l'heure du télétravail, parce que le grand phénomène de la période récente, certes d'une manière extrêmement contrainte, c'est l'explosion du télétravail, le développement massif du télétravail, et on voit bien qu'il va en rester quelque chose, et donc on voit bien également que ça soulève dans ce boom du télétravail, avec des préoccupations tant du côté des travailleurs d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et du côté des entreprises d'une optimisation des coûts immobiliers, eh bien on voit bien que ce boom du télétravail peut amener à poser des questions assez redoutables lorsque on va avoir un télétravailleur qui habite dans un pays et qui intervient dans un autre pays. Alors, je note avec attention ce qui a été dit tout à l'heure par l'un des intervenants sur le fait qu'on avait pu traiter le télétravail contraint, entre guillemets, pendant la période la plus intense de la pandémie, avec la notion de force majeure. Je trouve que c'est une évolution intéressante. Mais effectivement, maintenant, d'autres types de questions sont amenées à se poser, puisqu'on n'est plus dans cette phase aiguë de la pandémie, sur un certain nombre de règles qui doivent être prises en compte pour savoir quelle protection sociale on va pouvoir appliquer et comment on va déterminer un lieu d'exécution du travail habituel, normal, on va dire, hors télétravail, lorsqu'on est en situation de télétravail. Voilà, alors on peut dégager, les juristes pourront dégager, dont je fais partie, pourront dégager un certain nombre de règles, mais c'est sans doute des questions qui vont se poser avec de plus en plus d'acuité. Et puis, sur les mutations du travail, on a un autre sujet qui n'a pas été évoqué, ou alors qu'il a été très très brièvement à un moment donné quand l'un des intervenants a parlé des travailleurs indépendants, c'est la question de la définition du travailleur. C'est quoi un travailleur ? On a parlé depuis le début de cette émission de travailleurs, mais quand on parle de travailleurs, en réalité, le plus souvent, on vise un travailleur salarié. Et est-ce que un travailleur indépendant se trouve également visé par les débats autour de ça ? Est-ce que la frontière entre travailleur indépendant et travailleur salarié est la même entre les différents pays d'Europe ? Il n'y a pas de définition européenne du travailleur indépendant par rapport au travailleur salarié.
Et on voit bien que ces débats, je dirais, sont soulevés avec beaucoup de force autour notamment des notions relatives aux travailleurs des plateformes. Et donc, la plateformisation croissante de l'économie, et sans doute parfois dans un contexte international, va amener peut-être à se poser avec plus d'acuité encore ces questions de statut et de garantie attachée à chacun de ces statuts. Alors, il y a un projet de directive européenne qui est sur la table sur la question des travailleurs indépendants des plateformes. Projet que, pour ma part, je trouve relativement inadapté parce qu'il traite de la question de la qualification du statut et il ne traite pas de la question précisément des garanties. Parce qu'une manière pragmatique de soulever la question, c'est sans doute de se poser la question des garanties. Alors, la France essaye de bâtir en ce moment un régime un peu original en mettant l'accent sur la négociation collective avec une élection de représentants des travailleurs indépendants des plateformes et puis le fait de promouvoir après des négociations pour que les travailleurs indépendants des plateformes, leurs représentants et les plateformes puissent négocier les garanties les plus adaptées. Mais on voit bien que ces questions, elles sont largement devant nous. Et puis enfin, sur ces questions de mutation des formes d'activité, on a une dernière notion que je voudrais évoquer, qui a été évoquée à plusieurs moments, c'est la notion de portabilité et de pluriactivité. Alors, les deux notions sont différentes, mais on voit bien que se pose la question du fait qu'au cours d'une carrière professionnelle, au cours d'une vie professionnelle, on va avoir des statuts différents, on va travailler dans des lieux différents, on va peut-être, pluriactivité, être ce qu'on appelle un slasher, hein, dans le terme qui est souvent utilisé, c'est-à-dire avoir plusieurs types d'activités simultanément, et tout ça va renvoyer à la manière, dans un contexte de mobilité notamment internationale, dont on va prendre en considération ces différentes périodes de travail. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, à travers notamment les règlements, le règlement européen et puis les différentes conventions bilatérales, pour essayer de mettre en avant justement cette notion de consolidation de la carrière européenne, hein, et de prise en considération, je dirais, de toutes les périodes de travail pour calculer les différents droits, quels que soient, je dirais, les États, quels que soient les pays dans lesquels ont été accomplies les périodes de travail. Mais on voit bien que tout ça fonctionne dès lors qu'on a des textes bien, je dirais, complètement applicables, mais que ça ne fonctionnera pas forcément lorsqu'on sera situé dans des zones un petit peu de trous. Alors, on a cité tout à l'heure le nombre de conventions bilatérales, le champ d'application du règlement européen. On a cité tout à l'heure, j'étais fort frappé par le chiffre qui a été cité tout à l'heure par le représentant de la Caisse des Français de l'étranger sur la proportion importante, je crois que c'était un quart de Français à l'étranger qui sont sans couverture santé. Et donc, on voit bien qu'on peut avoir des situations, effectivement, où on sera dans des moments où on n'est pas couvert par l'ensemble des garanties. Voilà quelques, je dirais, grandes notions, sans trop rentrer dans les détails. Je pense que je suis dans les temps. Alors, on a couru après le temps, hein, mais assez bien, finalement, pendant cette émission. Mais voilà les sujets sur lesquels je voulais, en guise de conclusion, ouvrir un peu la réflexion et ouvrir un peu les débats qui sont encore largement devant nous sur ces passionnantes questions. Je vous remercie. Merci infiniment, Franck Morel, d'avoir su conjuguer toutes ces interventions aussi riches que diversifiées. C'est très réussi. Ouais, et il est hélas déjà maintenant temps de clore cette émission. Alors, nous tenions à remercier tous les intervenants, hein, mais également tous les participants qui nous ont suivis. Il y a les réseaux sociaux. On espère que ces échanges vont contribuer à fluidifier la mobilité des salariés à l'international, de ou vers la France. Merci infiniment au CRAPS de nous avoir permis d'organiser cette émission sur un thème aussi passionnant. Et n'oubliez pas que cette émission sera dès demain disponible en replay sur les réseaux sociaux du CRAPS. Alors, quant à Martine et moi, nous vous disons à très bientôt. Au revoir.